Et mesdames et messieurs, bonjour à vous, nous sommes en live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le retour d'un concept. Je sais que vous l'attendez ce concept, je sais que vous l'aimez bien ce concept, parce que c'est la troisième fois que je fais ça en live, et les deux premières fois, c'était il y a plus de 6 mois, j'ai checké les vues juste avant le live, on était sur, pour le premier épisode, du 378 000 vues, et le deuxième épisode, on était sur du 398 000 vues. C'est des trucs qui ont buzzé, je savais même pas, j'avais pas rechecké depuis longtemps. Donc, je me suis dit, bon, on va peut-être faire un troisième épisode. Vous avez l'air de bien aimer. Donc, on est parti aujourd'hui pour le début de la saison. Nous sommes sur la saison 12. Si je me trompe pas, on a des beaux arcs-en-ciel. On est sur une saison vraiment bisounours. Donc, écoutez, on va découvrir ça ensemble. On va voir aussi un petit peu à quoi ressemble la méta parce que, bah, évidemment, il y a eu des changements d'équilibrage. Donc, ça, tout a un petit peu changé. Vous voyez que je suis assez bas en trophée. Encore une fois, c'est normal. On est au tout début de la saison. On va essayer de monter un petit peu en prenant, du coup, les decks de nos adversaires. C'est bien le principe. Et on va voir ce que ça donne. Avant qu'on commence, mesdames et messieurs, petit tweet évidemment obligatoire, qu'est-ce qu'on met? J'essaye maintenant d'avoir l'inspiration en live pour que ça vienne naturellement. Mesdames et messieurs, un concept que vous attendez tous, pour le meilleur, ou pour le pire. Non, c'est pas... Non, pour le meilleur ou pour le pire, c'est pas mal. Ouais, je fais tout en live, les gars. Je fais tout en live. Le temps que tout le monde arrive... Allez, je prends... Bah, c'est ça. Bah, allez, on va faire simple. Je prends les decks de mes adversaires. Pour le meilleur ou pour le pire. Bah voilà. C'est parfait, ça. Faut pas se prendre la tête. Petit emoji. Petit emoji. Faut toujours un emoji dans les tweets. Toujours un petit emoji. Petit emoji. Il y a quoi comme emoji sympa? J'aime bien les emojis flammes d'habitude, mais là ça va pas trop. J'ai pas d'inspiration. Ah, parfait, j'ai trouvé l'emoji. Emoji smiley mais sans bouche. Voilà, ça c'est bien. Je suis content de mon tweet, c'est parti. On envoie, mesdames et messieurs, je prends le deck de mes adversaires pour le meilleur ou pour le pire. J'ai oublié un espace. J'ai oublié l'espace avant l'emoji. Je suis mauvais, c'est pas grave. On remet ça là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est déjà plus de 1000. Le temps que je fasse un tweet, c'est incroyable. J'espère que vous allez très bien. Est-ce que le compteur de likes va marcher aujourd'hui? Ça, c'est un grand mystère. Je rafraîchis le bordel. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas. On verra ça très bientôt. Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud? On n'est pas sur une soirée hyper intense niveau rush, hein, on est vraiment tranquille. On est début de saison, l'objectif aujourd'hui c'est de se faire plaisir. Et d'ailleurs, premier truc que je vais faire, c'est faire une petite battle. Et vous connaissez la tradition si vous avez regardé les premiers épisodes, qui sont d'ailleurs dans la description si vous voulez les voir. C'est que je fais le malin sur la miniature avec un deck qui n'a aucun sens. Là en l'occurrence pour cette miniature, j'ai pris ce deck là. Ça va être la première game. Et oui, parce que le principe, c'est qu'on prend les decks des adversaires, mais la première game, du coup, j'ai pas de deck, donc on prend le deck de la miniature. Et en général, ça se passe plutôt mal, comme vous le pouvez le voir à la gueule du deck. En sachant qu'évidemment, mesdames et messieurs, c'est incroyable pour ce live, regardez ce que j'ai fait. Je remets évidemment le compteur de victoire et de défaite qui est juste là, qui va être présent pendant tout le live. Et j'ai enfin trouvé comment vous mettre un compteur net. Jusqu'à maintenant, ça fait des mois que j'ai un compteur de victoire et défaite qui est totalement flou, qui est complètement dégueulasse. Ça y est, j'ai trouvé comment le mettre en bonne qualité. Voilà, on est sur des petites victoires de temps en temps. Merci à toi Arnaud pour ton petit don et Christopher également qui a fait un petit don. Tu nous as manqué à chaque fois, pourquoi tu faisais plus de vidéos? Ça fait longtemps que je te suis et j'apprécie ce que tu fais. Merci à toi Christopher. J'avais des examens en mai. Voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré à faire des vidéos et à passer mes examens en même temps. Mais là depuis une semaine, on est présent, on est revenu, on a pris le bon rythme. Ne vous inquiétez pas, je suis là et je vais faire en sorte dans les mois à venir. Et si j'ai encore des examens, je vais faire en sorte de m'avancer pour pas que ça soit la galère pour moi. Je vous assure, c'était pas un plaisir. Je vous assure, j'aurais préféré faire des vidéos. Je vous confirme. Mais bon, parfois, il faut mettre un peu ses priorités pour essayer de tout gérer. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'on se fait pas une petite game de chauffe, les gars? Histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. Avec ce deck, justement, on va voir ce que ça donne. J'ouvre pas mes coffres aujourd'hui. Vous voyez que j'ai des coffres à ouvrir à droite à gauche. Je les ouvre pas. J'attends le dragon squelette qui va bientôt sortir. Vu que j'ai tout de max. De toute façon, toutes mes cartes sont maxées, sauf les légendaires. Ça ne sert quasiment à rien. On va se faire une petite game de chauffe. Pour se mettre un petit peu en jambe, c'est parti avec un deck bien pourri. Ça compte pas dans le... J'enlève le compteur. C'est une game de chauffe. Ça compte pas encore, ok? C'est pas le vrai concept, ça compte pas encore. Laissez-moi perdre une fois avec honneur. Alors, on est parti, mesdames et messieurs, cabane de barbares. Ah, ça me fait plaisir de revenir en live parce qu'on a fait quelques lives du coup avec la CRL, évidemment, ce qui était très cool d'ailleurs ce week-end. Mais ça me fait plaisir, la petite live détente et tout entre nous. Ça fait grave plaisir. Alors, la charrette, juste là.
tranquillement. Alors évidemment, j'ai rien pour le Zappy, hein, vous vous en doutez, j'ai rien non plus pour l'aérien. Toujours un plaisir. Ça, ça va être géré à peu près. Non, oui, non, c'est parfait, 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 parfait. C'était totalement maîtrisé. Non, oui. Tout va bien. Restons calmes, je vous vois paniquer là dans le chat. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout est maîtrisé. Tout est sous contrôle. Il y a beaucoup trop de fournaises là en face. C'est pas le plan. C'est pas le but. C'est pas du tout ce que j'aime voir. Surtout qu'évidemment, moi j'attaque avec des troupes genre barbares et recrues. Donc non, les fournaises, c'est pas ce que je veux voir. Par contre, ah, j'ai une pompe. Attendez, attendez, attendez. On peut peut-être faire un truc avec la pompe. Je sais pas encore trop ce qu'il joue. Peut-être qu'il joue un cochon en vrai. Ah vas-y, je tente la pompe quand même. C'est pas que j'ai... Enfin, j'ai le choix en vrai, mais il faut que je mette la pompe si je veux commencer à prendre de l'avantage et faire un truc dans la game. Ok, il a une boule de feu. Le pêcheur qui va faire à peu près le travail. Et on a mis des dommages, hein, mine de rien. J'ai pas trop remarqué, mais c'est pas trop mal. Je pense qu'on peut partir à gauche ou à droite. Non. Non, vas-y, on va rester à droite. On va rester à droite. Cabane de barbare à droite. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas, restons calmes. Zappy qui est là. On a de quoi maîtriser. On reste tranquille. Je pense pas que mettre double cabane, ça soit bien. Vu qu'il a des... je vois les dons défiler là dans le chat depuis tout à l'heure. Les gars, je les lis juste après. Calmez-vous. C'est les premières minutes du live. Calmons-nous. Attendez, on a des recrues qui sont là. Le Zappy qui va être géré. C'est pas trop mal. On peut mettre des électrocuteurs. Je veux pas trop forcer pour l'instant. Je remets... ouais, vous avez compris. Et là maintenant... On va essayer de faire un truc. Ok, en plus il a... Oh là là, c'est tellement... Il a tellement de dommages de zone. Valkyrie, sorcier, double fournaise. Oh, frérot. Laisse-moi vivre un peu. Vas-y, cabane ici. Je sais pas si c'était le meilleur placement forcément de la cabane. Parce que du coup le sorcier il va taper sur tout le monde. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment je vais passer les gars, par contre ça c'est un mystère. Après on est en avance, on peut peut-être jouer l'égalité. En vrai on peut en arriver là. Parce qu'il peut pas passer moi non plus. Oh là bah oui mais il peut... Bah oui forcément. Et bah oui. Bah oui bah oui bah bien sûr. Forcément. Est-ce que... Non d'accord, j'allais dire est-ce que les Zappies peuvent... Non pas du tout. C'était pas leur... C'était pas leur guerre et là on est dans la merde hein. Là... Alors là par contre... Là par contre... Alors, attendez, parce que là, non, 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 séparez-vous, séparez-vous, séparez-vous les Zappies. Attendez, attendez, faut que ça pousse, faut que ça pousse, faut que ça pousse. Ça... Bah ouais, non mais attendez, il avait, non mais attendez, non mais s'il vous plaît, il avait, non mais attendez, non parce que là c'est pas légal. Il avait Valkyrie, il avait Sorcier, il avait Zappy, il avait Miroir, il avait Fournaise. Au bout d'un moment, frérot, je joue que des trucs qui sont sensibles aux dommages de zone. C'est quand même... Non mais pourquoi est-ce que je me prends le karma comme ça? Je veux bien jouer mes games, je veux bien faire des défis. Mais là vous voyez que c'est abusé. Là c'est pas, c'est quand même pas de ma faute. Et en plus, alors on a un nouveau sponsor. Je lis tous vos trucs après les gars, j'ai vu un nombre de trucs défiler pendant la game. Merci à vous. Non mais les gars, en plus on passe sous les 5000 trophées, c'est une honte. Non mais regardez ce deck. Regardez ce deck. C'est pas possible. Non mais... boule de feu. Non mais il y avait tout qui faisait dommage. Il y avait pas un seul truc. Si, il y avait le mini PK. Qui faisait pas des dommages de zone. C'est abusé, arrêtez, arrêtez. Non mais remboursez-moi, bordel. C'est pas possible. Bon alors du coup... Oh merde, mais non. Non, je viens de me rendre compte d'un truc. Putain, j'ai oublié le principe du live. C'est que je vais devoir le jouer, ce deck, maintenant. Non mais... Tu vois, genre... C'est vraiment toujours la même chose. C'est avant de lancer le live, avant de faire les vidéos, je me dis bah c'est cool, c'est bon délire, c'est détente, on va s'amuser. Et puis quand je me retrouve face à ma connerie, tout de suite je me dis que c'est peut-être moins évident que prévu en fait. On va le prendre, hein, qu'est-ce que je veux dire. Non mais vraiment, non mais vous voyez, il n'y a pas de trucage, vous le voyez, je suis quand même, c'est incroyable. Qui joue ça? Qui, quel parmi vous? Est-ce qu'il y en a un seul qui joue un deck du genre? Non, personne fait ça. Absolument personne. Je vais lire vos dons vite fait, mais les gars, non mais vous avez explosé le compteur. Kim, merci à toi pour les études. Merci à toi. Renaud qui a fait un petit don également. Merci à toi aussi. Kaiser. Kaiser. Kaiser, don for hashtags. Il s'appelle vraiment comme ça. Ça fait longtemps, mais te souviens-tu de moi? Kaiser, ça me dit un truc. Kaiser, ça me dit un truc, effectivement. Merci à toi. Pierrick qui arrive avec un don derrière. Première fois que je suis pas sur une rediff. Je te kiffe. Bah, merci à toi, Pierrick. Bienvenue sur le live. En plus, t'arrives au début, donc tu vas pouvoir bien kiffer pendant deux bonnes heures.
selon les decks que j'ai en face, parce que si je dérush, je vais rager, n'est-ce pas? Valentin qui a rejoint la team des sponsors, merci à toi Valentin, ça fait plaisir. Nicolas également. Mais les gars, mais c'est pas possible. Nicolas qui a fait un don, ça fait plaisir de te revoir. Bienvenue à toi Nicolas sur le live. Kaiser qui a refait un don. À l'époque tu étais avec JS. Oui, c'est vrai que JS maintenant n'est plus sur la CRL. CRL d'ailleurs tous les week-ends à 19h, n'oubliez pas. C'est très sympa, maintenant je suis avec Lemon Tea. Et c'est tout aussi sympa, hein. C'est vraiment cool. Sam Tom qui a fait un don également. Salut mec, petit coucou du Québec. Bienvenue à toi du Québec. Et Arnaud qui a refait un don derrière. Merci à vous les gars. Merci pour tout votre soutien. Ça fait grave plaisir. Le compteur de pouces bleus qui, comme d'habitude, c'est aléatoire. Hein, vraiment, je rafraîchis une fois. Si ça marche pas, il se décidera peut-être un jour. Voilà, tout simplement. On va tenter ce deck-là, du coup. On est censé rush hein, dans ce live, hein, je vous rappelle quand même. Ça serait bien qu'on tape les 5200, peut-être 5003. Si on a des decks comme ça pendant longtemps, je suis pas convaincu de l'histoire. Je vais pas vous mentir. Ça va être tendu. C'est pas grave, on y va quand même. On tente. Alors, on est contre The King, Tapiero. C'est parti, bonne chance. Alors, bah écoutez, on va partir en fournaise, hein. On a un petit peu que ça à faire. Il n'y a vraiment rien dans le deck, hein. Il n'y a pas de win condition, il n'y a rien du tout. On est vraiment juste sur des dommages de zone, en fait. Ok, il y a un poison en face. On va remettre une fournaise. On va faire la même strat que le type qu'avant. On va voir si ça marche. On zappe quand même, parce que là, ça peut faire un petit peu mal. On va essayer de limiter les dégâts. Ok. C'est moi, attendez. C'est moi, il y a une fleur sur la fournaise. Attends, ah non, mais c'est une fleur par terre qui est transparente, d'accord. Vous voyez ou pas la fleur là sur la fournaise? C'est ultra chelou, non? Ok, il va zap, très bien. Je vais rien faire. On va partir zappy. On va partir zappy dans le fond du terrain. J'ai que zappy niveau 12 d'ailleurs, j'avais pas pensé à ce détail. On va voir ce qu'il a pour défendre. On peut mettre une Valkyrie devant, ça peut être pas mal en vrai. Oh mais il a une TDE, c'est pas possible. Est-ce que je tente quand même une... Non vas-y, on va s'installer. On va s'installer, petite fournaise. Ok, il met le poison. Est-ce que là, peut-être? Non, ok, le zap. On va remettre une fournaise dans le fond du terrain. On va tempo, on n'a pas le choix de toute façon avec ce deck. On est obligé de prendre notre temps. Ok. Vas-y, on part dans le fond du terrain. On part dans le fond du terrain. Ah, j'ai oublié de mettre, du coup, on va mettre le compte. À partir de maintenant, ça compte par contre. Hein. À partir de maintenant, on met le compteur. Ça compte. Chaque défaite est une trahison. Oui, on en est là. Ok, on va mettre un sorcier juste là. Oh, vas-y, je peux pas partir maintenant en vrai. Oh, il a tout. Il a que des petits sorts. Vas-y, on y va. On y va en zappy. Je m'attends à ce qu'ils mettent du poison, éventuellement. Ouais, voilà, bingo. Du coup, on va mettre la fournaise juste là, parce que c'est pas dans le poison. On va remettre une fournaise ici dès que c'est fini. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, pas besoin du zap, c'est pas grave, on a safe le truc. Là, maintenant, on va partir dans le fond du terrain. Oh, là, on peut faire un truc, là. Là, on peut faire un truc, là. Alors, ok, oui, le poison qui est parti. C'est parti, zappy dans le fond du terrain. Là, je suis chaud. Est-ce que, en vrai, à mon avis, le miroir du mini PK, il peut être pas mal. Le miroir, vous le sentez ou pas ce miroir mini PK? Là, dès que ça tank, on va mettre le sorcier. Ok, c'est parti. Le sorcier, tu fais quoi? Pourquoi? Il y a une TDE juste à côté. Tu te fous de ma gueule? On défend ça comme ça. Ah ouais, mais du coup... Valkyrie, tu peux pas passer, là, vous le voyez bien. J'essaye des trucs, mais c'est pas possible. Vas-y, vas-y, vas-y. À mon avis, là, ça peut le faire. Ok, défense parfaite. Défense parfaite. Il a raté son zap. Oh, ça peut partir là-dessus. Oh, ça peut partir là-dessus. Attendez. Non, bah, c'est pas... Non, attendez. J'abandonne la strat des fournaises. Ça ne marche pas. On l'a vu. On l'avait... Non mais j'abandonne pas. Non mais jamais de la vie, j'abandonne. Jamais de la vie. On défend ça. Ok, ça on savait, ça on savait. C'est pas fini. En vrai c'est pas fini. J'ai un zap, ok. Donc le zap, il peut faire le taf. Ça c'était sûr. Mais c'est pas grave parce que en vrai, ça coûte 4. C'est pas forcément hyper value. Et là j'y vais. Là j'y vais. Double PK. Ah c'était risqué. Ah c'était risqué.
Ah ouais, non, c'était risqué. Ah, c'était terminé avec le poison de façon. Good game. Ah, mais là, je pouvais rien faire. Non, mais c'est terrible. En vrai, j'ai pas de bol. Non, mais avouez que là, j'ai pas de bol. J'ai tout fait. J'ai tout essayé. J'ai essayé les fournaises, je me faisais gratter. J'ai essayé de... Non, c'est une honte. C'est une honte. Quel concept de merde. Non, mais vraiment, c'est terrible. On commence avec une défaite, quoi. Enfin, double défaite, même. C'est terrible. J'ai envie de pleurer quand ça se passe comme ça. J'ai envie de pleurer maintenant. Moins 22. Merci à toi, Kaiser, encore une fois, pour ton nom. C'est gratuit, t'inquiète. Pierrick qui a refait un don. J'ai pas beaucoup à donner, mais bon, t'inquiète pas, Pierrick. Y a aucun souci. Pose-toi, kiffe le live. Et c'est très bien comme ça. Et Nicolas qui a refait un don également. Venge-moi, MDR. La saison m'a gavé avec les spammers. C'est vrai que la saison dernière était assez spam. Mais maintenant, c'est une nouvelle saison. Donc en vrai, ça va changer. Il peut y avoir des nouveautés. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette. Ce concept en début de saison, comme ça on voit un petit peu les decks qui sont joués par les adversaires, même si pour l'instant c'est un petit peu scandaleux. On va pas se mentir. Du coup on est obligé de prendre cette chose. Hein. Ouais, on est sur un lockbait pas très fameux. C'est quoi ce deck? Non mais c'est quoi ce deck? Bah avouez, c'est pas possible. Avouez, c'est pas possible. C'est quoi ce truc? Ça n'a aucun... Bon, en vrai, je préfère ce deck-là que le deck qu'on a eu avant. Parce que le deck qu'on a eu avant, c'était quand même très scandaleux. Là, je sais pas trop. Mais enfin bon, j'aimerais bien au moins être en 1-1. Si on commence en 0-2, c'est quand même... C'est grave, quoi. Ça va pas le faire. Pfff. Pendant que... Nolio qui tranquillement, je vends ma R5 GTI. Siège en cuir à débattre, allez-y, hein, y a pas de problème les gars, c'est le marché ici. Il y a aussi Hotswing qui a fait un petit don, vas-y hashtag. Merci à toi Hotswing, Hotswing Fontaine. Bah voilà, ça s'affiche juste ici. 19 défaites, 0 victoire. Non, quand même pas les gars, non mais attendez, on va faire une petite... Non mais attendez, là je vous sens négatif. Oh, on est à moins de 5000 là. On a moins de 5000 trophées. Je vous sens négatif, on va faire une petite victoire. On va faire une petite victoire, vite fait, c'est parti, on est contre 1899. Non, mais là, je vous sens que... je vous sens négatif. Ça va pas du tout. Je vous sens pas en confiance. Je vais vous mettre en confiance. Là. Vous allez voir qu'avec ce deck, on va gagner. Je sais pas comment, mais on va gagner. Très bien. Alors déjà, ça commence bien parce que je n'ai pas... D'accord, ça commence très très bien. J'ai rien en main. J'ai rien que... Il me faut le poison là pour aller gérer la pompe. C'est obligatoire. Peut-être attendre qu'ils mettent un truc devant la tour, ça serait pas mal. T'as pas des squelettes là que tu veux mettre là juste devant la tour? Ok, non. Il les a bien placés évidemment. On met quand même le poison. Bon, maintenant on a l'info. Il a des squelettes et il a un gang. Ok, tour de l'enfer. Pour l'instant ça a l'air d'être une bonne nouvelle. C'est un cochon de pompe. On devrait pouvoir s'en sortir normalement. Il y a juste cet artificiaire qui va être ultra relou. Ah, ça aussi. Non, en fait, non, ça va être relou comme match. Non, en fait, non, je retire ce que j'ai dit. Ça va être relou quoi qu'il arrive. Je pense qu'il va mettre un gang. Il a pas mis de gang. Eh non, mais il fallait pré-shot. Fallait tenter un truc. C'est pas grave. Il a des flèches. Donc, très mauvaise nouvelle. Hein, vous l'avez compris. Parce que le seul truc qu'on a pour faire de dommages, c'est un gang. Enfin, c'est le fût. Donc, s'il a des flèches pour défendre mon fût, je sais pas dans quel monde on passe. Enfin, ça, c'est un problème pour tout à l'heure. Pour l'instant, on s'installe. Est-ce que vous sentez qu'on va faire 12 milliards de défaites dans ce live? C'est très très mal parti en tout cas, je vous le dis. On va mettre un petit truc comme ça, histoire d'aller gérer l'artificiaire. Il faut aller gérer ça le plus rapidement possible. Parce que le truc, c'est que j'aimerais bien ne pas avoir à mettre la TDE pour aller défendre. Pour aller défendre le cochon. Là, on va mettre un petit zap qui va se mettre bien. Et ça par contre ça se met pas bien. On va se prendre un coup. On se prend le coup. Par contre il a plus de défense. Non mais par contre il a plus de défense. Arrêtons de déconner, là on va mettre des dommages. Normalement. Mini PK juste là. Oh et la partie impossible quoi. Ça ah il va mettre. Attendez. Ah dommage. Il les a mis de l'autre côté. J'allais pré-shot. Ah je vous jure je tente hein. Ça va taper. Oh non, ça a tapé. Je déteste ma vie. C'est une honte. Il prend la tour. Je peux rien faire. J'ai tenté des trucs. À chaque fois, vous êtes témoin. Quelle catastrophe.
Mais quelle catastrophe. Vous le voyez en plus, j'ai vraiment tenté des trucs. J'ai essayé de mettre des pompes, j'ai essayé de bait, j'ai essayé de... C'est pas possible. En vrai, je pense que ça s'est joué sur le coup de ballon. Ça s'est joué sur le coup de ballon. Et est-ce que... Non, sans être de mauvaise foi. Est-ce que ça se serait pas joué sur la T2 que j'ai peut-être mis un peu près? Est-ce que si je l'avais pas mise un petit peu plus vers le pont, j'aurais pu gagner? J'arrive plus à parler. Je suis tellement dégoûté. Est-ce que j'aurais pas pu gagner un tout petit peu plus de temps, ce qui aurait permis au ballon de pas mettre le coup? Je sais pas. Mais ça commence très mal. Après, bon là, est-ce que... Ouais. Ah putain, il a un miroir. Oh, mais c'est quoi ces decks? Non mais c'est quoi ces decks? Non mais c'est quoi ces decks aussi? Non mais je suis désolé, ça ressemble à rien ça, on est d'accord. Parce que ça se voit que déjà, ça fait combien de temps qu'on est en live juste pour... Ça fait 20 minutes, je suis déjà dépité après 20 minutes. Je suis déjà dans le mal après 20 minutes, c'est quand même terrible. Non mais c'est quand même incroyable. The Neolium, merci à toi pour ton nom, pouce bleu, fonctionnel sur ton Discord. Ah ouais, non, là ça veut pas s'afficher ici. Normalement il y a le compteur de pouces bleus qui parfois marche, parfois non, et tu sais absolument pas pourquoi. Donc écoutez, tant pis, peut-être que ça va s'afficher à un moment donné. Merci à toi Jonathan, évidemment, encore une fois, qui revient régulièrement sur le live. Vend deux chaises en cuir, allez, pourquoi pas. Et on a Benjamin qui a fait aussi un petit don. Enfin le retour de notre hashtag, le retour en live, ouais, effectivement. Même si encore une fois il y a eu la CRL que je vous invite à suivre. Bon les gars, il me faut une victoire. Là ça va pas du tout, on va repartir. Je veux une victoire. Je veux une victoire contre Antonio José. Là au bout d'un moment c'est bon, on a commencé avec deux défaites. C'est bien, c'est marrant, on s'est pris la douille. Maintenant on y va, on gagne, on remonte. Parce que là ça va pas du tout. On est à, je sais pas combien de trophées on est. Mais je crois qu'on a vraiment, on est vraiment en train de dérush là. Genre sérieusement en train de dérush. Mais j'y crois, en vrai ce deck, rien, en fait déjà il y a un seul truc dans ce deck, on a deux win conditions, on a un cochon et un ballon. Donc déjà, ça peut que mieux se passer que les autres battles, c'est déjà mieux en fait. Alors je retire ce que je viens de dire à l'instant, j'ai rien pour défendre, c'est pas possible, vous êtes témoins, je fais pas exprès quand même. J'ai rien dans ma main, c'est terrible. C'est pas fini. Non, c'est pas... Non. Mais moi, j'y crois pas quand je le dis. Ça s'entend que j'y crois pas quand je le dis. On va faire un truc. Toujours la fleur hein, sur l'extracteur d'élixir, pourquoi pas. On va tenter de contre-attaquer un petit peu. On va tenter de faire un truc. On peut partir avec un petit chevaucheur de cochon à droite. On a toujours les flèches pour un gang éventuel. Il y a une T2. Et le pré-shot qui n'est pas passé. Pourtant les gars, je tente des trucs, hein. Vous le voyez, vous êtes témoins quand même, je tente. Je fais des choses dans cette vie. Je pense qu'il a pu... Alors, là tu me dis qu'il est à T2, je pète un câble. Là je me barre. Non mais... Oh mais il a une boule de feu. Bon, ça peut taper. Attends. Là ça tape. Non. Arrête. C'est pas possible. Je vais laisser taper en vrai. Parce que là, il faut que j'ai de l'avance. Il faut que j'ai un truc. Il faut que je trouve une ouverture. Ok, il reste une... Non, j'abandonne pas. Non. Jamais. Dans vos rêves. Ok. Vas-y, c'est parti. Ballon derrière. Flèche. Oh, la T2. La TDE. Regarde-moi cette TDE qui était à 2 points de vie. D'y passer. Et tu vas me dire que ça touche pas. Deuxième ballon, ça connecte. Attends, c'est pas fini. Je vous le dis que j'abandonne pas. Cochon à gauche. Cochon à gauche. Là, il va forcément y avoir un moment donné. Non, il va pas. Ok. Dis-moi que ça passe. Ok, ça passe. Valkyrie. Squelette. Cochon.
Double cochon. Flèche. On tempo. On tempo. Calmons-nous. Ok. Ok. Problème. Là, on a un problème. Là, on a un problème. Là, on a un problème. J'ai rien dans ma main. Ok. Alors. T'es un peu tôt là. Là il va forcément mettre un truc dessus, donc Valkyrie. Non 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 non. Ah, non 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 non. La tour du roi qui était à 500 points de vie, je me déteste. Non, on devait la voir cette game. On pouvait la gagner. On pouvait la gagner. Non mais celle-là, on pouvait la gagner. On devait la gagner. On la compte pas. Si, 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 on la compte. Bien sûr que si, on la compte. C'est une honte. C'est, je ne peux qu'en vouloir à moi. Je suis une honte. Je suis une honte et je ne suis pas digne de faire ce live. On peut pas être en négatif. On peut pas être en négatif. Attendez, parce que là je m'en mêle dans les fils, c'est un bordel. Non, c'est une honte. C'est une honte, c'est une honte. On avait tellement moyen de la gagner. On avait tellement moyen de la gagner. J'aurais pas dû partir à gauche, j'aurais dû partir à droite, j'aurais dû partir tour du roi, j'aurais dû le voir. Et je ne l'ai pas vu. Troll. On a déjà perdu. On a déjà perdu sans trophée depuis le début du live. J'ai dit 5 piles 300. Hein. J'ai dit qu'on rushait aujourd'hui. Vous vous en souvenez? On n'a pas fait une seule victoire depuis le début de ce live. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Pas une seule victoire. Bon, est-ce que vous pensez qu'on gagne avec ce deck? Est-ce que vous me faites confiance avec ce deck? Il a l'air quand même un petit peu plus solide. On est sur un cochon un peu rapide. Il y a un petit peu de tout. Ce deck, il est équilibré. En vrai, est-ce que vous pensez qu'avec un deck à peu près normal, je peux gagner? Parce que là, c'est quand même tendu, là. Ah, c'est quand même chaud, là. Attendez, parce que du coup, il y a eu rune. Non, mais les gars, mais vous êtes déchaînés aujourd'hui. C'est pas possible. Attends, j'en étais où? Hot Wings. Oui, c'est ça. J'en étais là. Tu feras quoi comme prochaine vidéo? Courage, tu vas y arriver. En vrai, c'est le début de la saison, donc ça rush dur. Comme prochaine vidéo, je sais pas trop encore. Voilà, je peux pas... Je sais que je prends un peu au jour le jour en ce moment. Je sais pas encore trop quoi faire. Peut-être une vidéo sur le défi du dragon squelette, mais vu qu'il y a que 9 victoires, je suis pas sûr. FZ Hall, merci à toi pour ton don. Courage, merci, c'est dur. The Neolium, ouvre ton Discord et je t'ai envoyé un compteur de pouces bleus. Normalement, il n'y a pas de... Celui que j'utilise, c'est le seul qui fonctionne. Enfin, d'automatique. Mais mon Discord est ouvert, hein. T'inquiète pas, tu peux y aller. Si tu veux. Jonathan qui a fait... Non mais les gars, mais vous êtes beaucoup trop en forme. Je peux pas suivre vos dons. Là, il y a un vrai problème. Je ne peux plus suivre. C'est pas possible. Et vous me dites quoi à propos du... Est-ce que vous avez confiance en moi? Oui, oui. Ouais, ça va. Et en vrai, vous êtes encore optimiste, hein. Faut pas que je perde plus que ça parce que sinon vous allez être contre moi. Non mais je le sens au bout d'un moment, il va falloir que vous retourniez votre veste, hein, c'est obligatoire. Je pense que l'algo de match-up est contre toi, en vrai là ouais. Mais vu qu'on vient de faire 3 défaites, 4 défaites même, je pense que là ça va être mieux. Normalement, j'espère. On va lancer la game. Jonathan qui a refait un don, on n'est pas sur la même ambiance que sur la vidéo 7000 trophées, mais c'est très divertissant. Oui effectivement on n'est pas sur le même... on n'est pas exactement au même level là. Mais tranquille, t'inquiète, ça vient, là je me chauffe. T'inquiète Jonathan, là ça arrive. Dylan, merci à toi pour ton don. J'essaye de faire les deux. Ouais, on fait les deux en même temps. C'est une très mauvaise idée. Oh, mais attendez, là il a un cochon niveau 11 et il est niveau 12. Non, mais là, attendez, là si on gagne pas cette game, c'est un scandale. Je vous jure, c'est un scandale. Quoi qu'il arrive, c'est un scandale. Dada Popo, merci à toi. Business Stacks, un bon Mitroglou, merci à toi. Et on a Hot Wings qui a refait un don. Pourquoi tu participes pas avec Lemonty à la CRL? Parce qu'on n'a pas le niveau, tout simplement. La CRL, mec, c'est vraiment un niveau, genre, c'est vraiment les meilleurs joueurs du monde. Hein. On n'est pas sur un truc amateur, on est vraiment sur. C'est des joueurs professionnels qui sont payés pour ça. Alors, concentrons-nous, mesdames et messieurs, dans la game. Pendant que je me prends la pression, faut que je me concentre. J'essaye de rattraper les deux en même temps, les gars. Vous êtes... Mais là, il y a eu un nombre de dons déjà depuis quelques minutes.
C'est assez impressionnant. Merci à vous. Concentrons-nous un petit peu sur les games parce que sinon on va jamais s'en sortir. Là, je vous l'ai dit, là en vrai le pauvre Rice 101, là, il est un petit peu bas level. On devrait normalement gagner la game. Rien qu'avec notre niveau de carte, normalement ça devrait suffire. En plus, il joue en 2.6 ou c'est moi là? Enfin, en vrai, il joue en 2.6, ça devrait aller. Ok, boule de feu, très bien. On va partir dans le fond du terrain, on va cycler. En vrai, quoique, parce que le 2.6, c'est un deck cochon rapide. Et il cycle plus vite que moi. Donc, je rigole et je rigole, mais si ça se trouve, on va la perdre. Hein. En vrai, c'est entièrement possible. Ouais, boule de feu direct. Là, on a une bonne contre-attaque avec le chevaucheur. Plus un gang. Ah, en plus, il a raté son canon. Ah, c'est terminé. Ah, le chevaucheur qui va faire tellement mal. Ça met 2 coups. Ça met 3 coups. Ça met 4 coups. Ça met 5 coups. Ok. TDE. L'électro qui va partir sur tout le monde. Ah oui, bah, peut-être l'électro pas forcément judicieux. Mais c'est pas grave. Tout va bien. On peut relancer un push à tout moment. En vrai, je vais même partir dans le fond du terrain parce qu'on n'a pas besoin de se presser. On est en avance. On a une TDE sur le terrain. On a tout ce qu'il faut pour défendre. On peut envoyer une boule de feu sur la tour et ça va prendre la mousquetaire avec. On est très bien dans cette bataille. Je vais pas vous mentir, le pauvre. Il est un petit peu en train de douiller. J'aurais pas dû mettre le gang comme ça. Ok. Là, on envoie la dose. C'est le moment. On peut taper la mousquetaire juste là avec la boule de feu. Et il défend pas mal en vrai. Hein. Il se défend même très très bien. Parce que là, il rebalance un cochon. Heureusement, j'ai la TDE dans les temps. On va le finir au sort normalement, à la boule de feu. Il le sait, il dit bien joué. Il sait que c'est terminé. Quoique, vous voyez que je cycle moins vite, donc forcément, j'ai un petit peu du mal. Vas-y, boule de feu ici. J'ai pas la T2 en main, donc là, faut que je défende à l'électro, mais il y a déjà la T2 sur le terrain. Non, en vrai, cette battle, elle est pliée. Le pauvre, il a pas pu faire grand-chose. Mais bon, après, on va pas se plaindre, hein, les gars, ça fait du bien. Pour une fois, on en gagne une. Moi, ça me va. C'est une défaite qui est utile. Ça nous remonte un peu le moral. La bûche qui part. La boule de feu. Et on lui dit good game. Well played. Il s'est bien défendu. Et ça nous fait notre première victoire, mesdames et messieurs. C'est un exploit aujourd'hui. Oh non. Ah merde. Putain. J'oublie le principe de ce live. C'est que maintenant, on va devoir jouer le 2.6. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. C'est ça le détail en fait. C'est ça le principe de ce live en fait, que j'ai tendance à oublier. Bon, après, bon là en vrai, on a fait, c'était en février je crois, on a fait une petite saison où j'ai vraiment joué le 2.6, j'ai essayé de le maîtriser, donc normalement je dois avoir des restes. Normalement les gars, je dois avoir 2-3 restes, on devrait s'en sortir. On est en 1-3, on va remonter les gars, on remonte en 3-3, je vous le dis. Je vous dis merci à toi Valentin pour le don, ça fait plaisir. Et merci à toi Johan également, bonne chance pour ton live. S'il te plaît, ne fais pas des erreurs d'inattention comme dans tous les fins. Oh, Johan, respecte-moi, comme dans toutes les fins de live. Petit défi pour toi, 1.5 de ratio victoire-défaite. C'est déjà très mal parti, c'est déjà très très mal parti. Mais on va essayer de remonter. Et je vois pas de quoi tu parles, vraiment les erreurs d'inattention c'est vraiment pas mon style. Non, absolument pas. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes 3500 sur le live. Merci à vous, merci d'être présent, ça fait grave plaisir. Et là, je vous le dis, le 2.6, l'entraînement de février. Vous vous en souvenez, vous avez peut-être vu des vidéos. C'est maintenant que ça doit payer. Tout ça pour ce moment précis. Oh, il a raté son placement. Il a raté son placement, moi j'y vais, voilà. Ça pardonne pas, la punition directe du 2.6. Un coup, 2 coups, 3 coups. Nickel, et avec les squelettes qui grattent derrière, c'est absolument parfait. Oh là là, mais cette maîtrise. Merde, 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 merde. Pourquoi j'ouvre ma gueule? C'est terrible. Ok, tout va bien, on n'a pas eu chaud. Aucune alerte, rien à redire, il a forcément, je suis sûr qu'il a une roquette.
Il a une boule de feu. C'est pas forcément beaucoup mieux. Vas-y, on y va comme ça. Arrêtez de rigoler là, je vous vois dans le chat. C'est pas drôle, ok? Ça, c'était sûr. Regardez ça, la bûche qui part maintenant. Oh là 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 là, cette bûche tellement value. Et on va avoir un coup. Deux coups. Trois coups. De feu, monsieur. Quatre coups, monsieur. C'est ça qu'on veut voir. Calmons-nous. Je vous sens bien tendu là dans le chat. Ok, pour l'instant, on maîtrise. Pour l'instant, on est sur une maîtrise parfaite de cette game. Mousquetaire qui va être là, qui va tout gérer. Et on va repartir avec un cochon, mesdames et messieurs. Il va évidemment y avoir une... Oh, Tombstone qui est raté de la part de l'adversaire. Bolly Lelio qui a raté son coup. Et du coup, ça se met très très bien pour nous. Mesdames et messieurs, puisqu'on a un cochon qui tape sur la tour du roi, je pense que c'est gagné. Je veux pas m'avancer de trop. Mais je pense que c'est en bonne voie, là. Vous êtes d'accord? Il nous reste 10 secondes avant double élixir, on est très bien, là on n'a plus qu'à résister. Je vous l'ai dit, la maîtrise de 2.6 à payer, les punitions instantanées à chaque faute, bien sûr. Ça c'est derrière, tu nous l'as fait une fois frérot, tu crois qu'on va se refaire avoir? Jamais de la vie, jamais de la vie. On va repartir tranquillement avec un petit golem de glace. Petit chevaucheur de cochon. La petite boule de feu qui va prendre la tombstone. Oh là 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 là, mais quelle maîtrise, incroyable. On est très bien sur cette game. Encore une fois, il ne nous la fera pas. J'ai essayé de choper le dart. Ça n'a pas marché, mais on est toujours en avance. Par contre, faut faire attention parce que s'il me prend ma tour, ça va être bien relou, en fait. Donc je vais essayer de mettre la pression à droite. C'est une petite pression, hein, c'est rien de méchant. Voilà, c'est histoire de rester un petit peu en forme. On va pas mettre ça comme ça. Soyons intelligents, ça on l'a vu, frérot. Tu nous prends pour qui, enfin? Golem de glace qui va défendre ici. Le plus important là actuellement, c'est de ne pas perdre la tour. Mousquetaire qui va partir juste là. On peut remettre la pression avec un cochon si besoin. Et je pense que ça ne sera pas ça ne sera pas nécessaire, pardon, puisqu'il reste 3 secondes dans la game. Mesdames et messieurs, good game. Well played, la remontada. Je vous le dis, la remontada. Là ça y est, il nous fallait quelques games de chauffe. Là on a eu quelques decks assez sportifs. Mais ça y est, là on commence à discuter. Vous sentez le karma arriver? Non, c'est bon, Jean. Je l'ai déjà pris le karma. Regarde, on a commencé avec 3 défaites. Là, c'est mon moment. Là, c'est le moment où on monte. C'est le moment où on se fait plaisir maintenant. Hop. Et d'ailleurs, j'en profite, les gars, pour faire une petite pub. Si vous n'avez pas déjà rejoint mon Discord, sachez que nous sommes actuellement 9996 sur Discord. Donc là, à tout moment, s'il y en a qui n'ont pas rejoint, vous pouvez le faire si vous voulez maintenant. Vous me ferez passer les 10 000 sur Discord et ça ferait plaisir. Voilà, c'est un chiffre rond. Il n'y a rien de spécial pour les 10 000, mais ça fait... On est 10 000. J'ai pas fini ma phrase, on est 10 000. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Ça fait grave plaisir. Et sur le Discord, hein, pour ceux qui ne savent pas, il y a tout un tas d'informations. Il y a plein d'infos. Dès que je tweet un truc, que je mets un truc sur Insta, que je pars en live, vous avez toutes les infos, des notifs, des nouveautés de CR, de Brawl Stars. Vous avez tout là-bas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre. Et un grand merci à vous. À nous maintenant de prendre le deck. Petit deck lockbait juste là. On devrait s'en sortir en lockbait. Ça devrait aller. J'ai confiance. Je pense qu'on peut remonter. Merci à toi Metal X pour ton petit don. Compteur de pouce bleu. Oui, non, il marche pas le compteur de pouce bleu. Parfois il marche. Je l'ai réussi à le faire marcher 2-3 fois. Je le refresh hein, si vous voulez, mais je sais pas. Je sais pas. Après, le compteur de pouce bleu, je vous en dis pas plus, mais j'essaye de trouver des solutions. Voilà. Sachez-le. C'est un work in progress. On est contre du ND, mesdames et messieurs. En lockbait. On va partir dans le fond du terrain. C'est parti, le gang qui est là. On va mettre un feu à gobelin juste ici. Je fais attention à ce qu'il n'ait pas la tornade. Parce que ça peut nous mettre un petit peu mal. Ok, il a une... Il a une princesse, très bien. On va mettre un dart sur le côté droit. J'attends de voir ce qu'il nous fait. Oh, dommage, en vrai c'est dommage. Non, 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 c'est pas la boule de feu que je voulais mettre. Ça commence. Non, mais ça commence. Ça commence, c'est pas la boule de feu, évidemment, que je voulais mettre. C'était le... C'était les... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est qu'un début. Calmons-nous. Tout va bien. Tout va bien.
On va mettre des fripons dans le fond du terrain. Il nous joue un deck bizarre là, non? Avec un bomber, une princesse, une boule de feu. Je pense qu'on peut choper le bomber avec le ouais, gobelin à Sarbacane juste là, ça peut être pas mal. On va mettre ça directement sur la tour parce que je crois pas qu'il ait de sort en vrai. Je crois pas qu'il... Oh ouais, parfait. Ok, vas-y, boule de feu ici. On va mettre une pierre tombale. Voilà. Parfait. Parfaitement géré. Parfaitement géré. Regardez ça. Gang qui va partir ici, qui va gérer ensuite la princesse à droite. On se prend zéro coup. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Oh là là, cette maîtrise. Regardez les fripons. Non! Pourquoi je parle trop vite? Pourquoi je parle trop vite? Bon, ça va. Tout va bien, on est devant. On est devant. Dragon de l'enfer juste là. Ça, on met direct sur la tour, on en profite. Ça, ça part juste là. On est un petit peu dans le mal ici. Donc, il me faut un gobelin à Sarbacane juste ici pour aller gérer la princesse juste après. Ok, on prend un seul coup. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et là, à mon avis, ok. Il a mis les fripons. Il a mis la boule de feu, donc on peut mettre les fripons. Ok. Ok. Attendez, attendez, attendez. Parce que là, je suis con. Mais pas le gel, mais pas le gel. Il a mis 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 le gel. C'est pas grave. Tout va bien. Cette battle est tendue. Pourquoi cette battle est tendue? Cette battle n'a pas le droit d'être tendue. Je fais ça. Non, mais vas-y. On est obligé de prendre la tour. Et là, on est grave, grave derrière. Faut pas que je la perde. Faut pas que je la perde. Là, là les gars, je focus. Là vraiment les gars, je focus comme jamais. Fripon, fripon. Oh la vache, il a le... Oh, dommage. Il a le bomber qui a carry encore une fois. Hein. Non. Non. C'est une honte. Oh putain, c'est une honte. Oh, c'est une honte, le cochon qui tape. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le cochon qui tape, j'étais sûr que ça tapait pas avec le dard derrière. J'allais contre-attaquer. Aïe, aïe, aïe. Là les gars, on va passer en mode win. Non mais là on va se focus. Là ça y est. Là ça y est, mesdames et messieurs, je rentre dans un mode vénère et là on ne peut plus perdre. Je refuse de perdre, je refuse de perdre et à partir de maintenant, je m'engage à tryhard. Et là je m'engage à gagner mes games. Là je vous le dis, là ça y est, on n'est plus en train de jouer, on n'est plus en train de rigoler, on n'est plus en train de se détendre. On est en train de tryhard comme jamais. Merci à toi Mathias pour ton sticker, merci à toi Metal pour ton don. Et mesdames et messieurs, là je suis vénère, on part avec ce deck, j'en ai rien à faire, on gagne. Non, ça y est, là ça y est, je suis déchaîné. Là, ça y est, j'y vais. Non, mais là, ça y est, il n'y a plus le droit à l'erreur. C'est parti, chevaucheur. Ok. Un coup. Deux coups. On va mettre une princesse qui, normalement, va gérer à peu près tout le monde. Ok. Non, 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 là les gars, je déconne zéro. Là les gars, je déconne zéro. Je suis vraiment en train. Là, je vous assure, on remonte au minimum en 4-4. Y a pas d'excuse. Y a pas. Merde, là je suis dans la merde. Non, le prince! Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu. Y a pas d'excuse. Y a pas de oui, mais voilà. De... Non, c'est mort. Non, 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 c'est mort. C'est absolument mort. Ok, il a un bouliste. En vrai, là, les gargouilles, elles se mettent pas mal. On va mettre ça, ça devrait normalement tout défendre. On va pas se prendre de coups.
Il n'y a pas d'excuse. Je vous le garantis. On gagne cette game. Coûte que coûte. Ok, 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 ok. Ok. Petit coup à droite. Deux petits coups à droite. Il a le bouliste, hein. Je crois qu'il a le bouliste. Ok, il part à gauche. Je pars à droite. Let's go. Il a quoi comme sort déjà? Je sais plus ce qu'il a comme sort. On a un prince. Le prince, il est chaud. Le prince, il est vraiment dur à défendre. Je pense que je vais gel. Tant pis, non mais tant pis. Ça va jouer en deux tours. Ça va se jouer en deux tours. On va partir à droite avec un gel. Il a pas assez, il a pas assez. Ok, très bien, très bien, très bien. Valkyrie, ça va pas suffire. Ok. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Le truc qui est vraiment chaud, c'est vraiment le prince. Le prince peut vraiment me flinguer. Ok, ok. Prince géré, mesdames et messieurs. Prince géré. Ah, oh, c'était tellement pas loin. C'était tellement pas loin. J'ai été surpris par le GR. Ah, les gars, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va remonter. On va remonter. Je vous le garantis. Je vous le garantis. En vrai, on perd à rien à chaque fois. En vrai, on perd vraiment à rien à chaque fois. Ça se joue sur un tout petit détail à chaque fois. Et on est en train de dérush, c'est terrible. Et c'est quoi ce deck encore? Et le compteur de pouces bleus, ça y est. Qui s'est non mais je vous l'ai dit, après combien de temps de live exactement? 45 minutes. Il prend son temps. Il prend son temps. Non mais il faut pas le presser. Il fait les choses à son rythme. Il est lent. Voilà, faut le respecter. Chacun son rythme. Bon. Mesdames et messieurs. On va ouvrir les coffres quand même, hein, on va pas se gêner. Là c'est dur. Là c'est dur. Merci pour encore une fois pour vos dons, hein, Matt. Salut hashtag, content de... Oula. Salut hashtag, content de te revoir en live si jamais Ruskov fait le même concept de live maintenant. Écoutez, il fait ce qu'il veut, hein, c'est pas... Je peux pas lui interdire. Et de toute façon, sachez que ce concept à la base, il vient de BF1. C'est BFA qui me l'avait fait faire. Enfin, il le faisait faire à des pros à l'époque. Et du coup, j'avais kiffé. J'avais demandé si je pouvais reprendre. Donc, à la base, le concept ne vient même pas de moi, sachez-le. Donc, évidemment, Ruskov fait ce qu'il veut. Merci à toi, Jester. T'es le meilleur. Hashtag continue. Merci à toi, Mathias, qui a fait un don 5 balles pour ton karma légendaire. J'aimerais bien que ça change un petit peu, là, parce que 2-5, c'est chaud, quand même. Azot, merci à toi, Azot Killar. Bonne fin de live. J'adore te voir perdre. Pas moi. D'accord, soyez gentil un petit peu avec moi. Thomas, merci à toi, force à toi. On va essayer, on va essayer. Allons-y. Alors, on est contre Heart Attack. Vas-y, bonne chance. Bon, là, il faut qu'on remonte. Là, les gars, vraiment, il faut qu'on remonte. Faut qu'on remonte. On va tryhard. Bon, j'ai tryhard. Attendez. Parce que là, j'ai tryhard une game. Ça s'est mal passé. Bon, ça arrive. Maintenant, on va continuer de tryhard et on va remonter. Je vous le dis. Voilà. C'est l'engagement que j'ai pris aujourd'hui. Remets un truc, s'il te plaît. Comme ça, je mets une foudre. S'il te plaît. C'est pas exactement ce que j'attendais. Parce que. Ouais. Alors. On va remonter. Ne vous inquiétez pas.
Déjà, il joue un truc qui va être un petit peu relou. Il joue la horde. Et cette horde, elle peut... Ah, d'accord. Très bien. On est donc... Oh, d'accord. Non, mais pourquoi pas. Non, mais ça veut dire qu'on va devoir... Ah, oui. Ça veut dire qu'on va devoir jouer Barbare d'élite à la prochaine partie. Très bien. C'est pas grave. Ça, c'est pour plus tard. D'abord, il faut qu'on gagne avec ce deck. Et ensuite, avec des Barbares d'élite. Tout va bien, tout va bien. Ok, bûcheron qui est là. En vrai, petit prince. Oh, s'il te plaît, gère le... Oh oui, 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 oui. Oh là là, oh ce bonheur. Quand un prince te one-shot un sorcier, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que ça fait plaisir. En vrai, là, on peut y aller. Oh, oui, 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 oui. Attendez, 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 parce que là, il y a une fenêtre. Bombardier, peut-être, derrière. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ça passe, ça passe. Oh oui. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que là, du coup, on défend tranquillement avec un bouliste. On a mis tarif à la tour, on gagne. Les gars, on gagne. Celle-là, on la gagne. Valkyrie. On la gagne. C'est la remontada, les gars, je vous le dis. Géant royal. Ok, là maintenant on va se prendre une horde. C'est sûr, c'est certain. Horde into gel. On se prend une horde gel. Il faut juste défendre. Il faut tenir. La horde, je vous l'ai dit. Et là maintenant on tient. Et là maintenant on résiste. On l'empêche, horde gel. J'avais dit, j'avais call. C'est la victoire, mesdames et messieurs. C'est la remontada, je vous l'ai dit. Ça fait un 3-5, on remonte en 5-5. On remonte en 5-5, je vous le dis, je vous le garantis. C'est parti. Ouh. Merci à toi, Johan. Lâche pas hashtag, remonte tes manches et tu l'auras. Bah oui, évidemment. Mais vous croyez vraiment. Mais vous me connaissez pas, les gars, ou quoi? Vous débarquez sur la chaîne, évidemment que je vais pas lâcher. Évidemment qu'on va tryhard un petit peu là, ça va pas du tout. Croyez vraiment que je vais rester en 3-5? Jamais, je crois que j'ai jamais fini un live en négatif. J'ai jamais terminé un live en négatif. Ah si, peut-être. Oh si, peut-être. Ah si, quand même. Ouais, non, je vais pas. Ouais, peut-être. Mais bon, je vais pas lâcher quand même. Je lâche pas. Sinon, les gars, j'ai vu vos messages pour le Vogue de Ruru, mais là, on est sur un concept solo. Du coup, peut-être en fin de live, mais là, pour l'instant, ça sert à rien de Vogue. Faut qu'on remonte. En fait, là, déjà, la priorité, c'est de remonter ça. Souvent, non, on termine pas souvent en négatif. Non. On termine de temps en temps. Il arrive que ça se passe mal. Mais bon, ça reste des exceptions quand même. Quand même. On a quoi comme deck du coup? Ah oui, attendez, parce que... Oui, parce que du coup, faut jouer ça. Ah bah oui. J'avais oublié ce détail, en fait. J'avais oublié... Non mais oui, parce que c'est le principe du live. Et j'ai tendance à l'oublier. Je sais pas si... Ouais. Bon, on va y aller, hein. On va y aller. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est contre Pau. Alors... Donc attendez, parce que je viens de capter, mais il y avait du coup un Zappy en face qu'il a pas joué. Est-ce qu'on tente déjà d'entrée de jeu là? En vrai. Ah, c'est risqué, mais on y va. Le gel qui... Ah, dommage, je l'ai pas en main. C'était un poil tôt, je pense. J'aurais eu le gel, les gars. J'aurais eu le gel en main. Il me manquait quelques élixirs. Oh, j'aurais fait tellement mal. On peut mettre ça comme ça. Ouais, ça passe. On a toujours un gel au cas où. Non, trop tard. Ok. On va tempo. Non, mais très bien. On sait ce qu'il a. On sait ce qu'il joue. Je pense qu'il y a moyen. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense qu'il y a moyen. Le Zappy qui va faire le travail. Non, attendez, parce que là, je veux vraiment qu'on remonte. Hein. Je veux vraiment qu'on soit en 5-5. Tant qu'on se dépend en 5-5, je me détends pas. Je dois le faire.
sorcier juste là. Zappy, s'il te plaît, retourne toi. Ok. Non mais ok. Non mais d'accord. Très bien. Po, tu t'as gagné celle-ci. Je vais tempo avec des barbares d'élite. Toujours le gel au cas où, on rappelle. Ok. Tout va bien. En vrai, les gars, je pense vraiment qu'il y a moyen. Il a pas beaucoup gratté jusqu'à maintenant. Il arrive pas trop à passer. On lui met la pression à chaque fois avec... avec notre Zappy. Il a que le... Il a que le fût. Qu'on peut défendre avec non seulement l'armée. Et en plus avec la boule de feu. Je pense vraiment qu'il y a moyen. On va forcer une boule de feu ici. Voilà. Et là, il y a peut-être moyen de faire un truc. Barbare d'élite, into gel sur son sorcier. Gel! Non, poil trop tôt, on aurait eu les... Oh, on aurait eu les squelettes, ça aurait été beau. Oh, ça aurait été magnifique. Peut-être le coup du Zappy. Non, pas de coup du Zappy. Peut-être le coup du Zappy. Peut-être le coup du Zappy. Non, pas de coup du Zappy. Il va balancer un machin, c'est sûr. Cette maîtrise parfaite du joueur français. Mesdames et messieurs, peut-être la boule de feu qui était en trop. Puisque nous avons... un poil optimiste. Putain mais c'est tendu, j'ai le cœur qui bat, c'est terrible. Tout va bien. Restons calmes. Non, 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 non. Pourquoi? J'ai tellement fait une belle game. On était sur le point de la game. Comment j'ai pu perdre comme ça? Oh non. Ah, cette défaite, elle fait mal. Ah, cette défaite, elle va droit au cœur. Ah, cette défaite. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, le moral. Oh non. Oh non. On a perdu tellement de manière nulle. On avait tout. On avait tellement... Non. Oh non. Non. C'est quoi? Mais regardez, non mais... je suis au bout de ma vie les gars. C'est quoi ce deck? Non mais, regardez ce deck qu'on est obligé de jouer maintenant. Forcément je m'en sors pas. Forcément je perds. Je me fais battre par des decks mais qui n'ont aucun sens. Avec lesquels je peux pas gagner derrière. La seule raison pour laquelle le type me bat, c'est que le deck que je joue actuellement n'a aussi aucun sens. Oui je rage. Oui je rage. Regardez ça aussi. Tu pues tellement de seum, c'est ouf. Ah oui, là, alors là, je respire le seum. Là, il n'y a plus de... Là, je suis le seum. J'incarne le seum, évidemment, bien sûr. En même temps, bon, vous êtes témoins quand même. C'est incroyable. Merci à toi, Yuan, encore une fois. Lâche pas, hashtag, remonte tes manches et tu l'auras. Bah, c'est... Ouais, je remonte, hein, mais c'est quand même un petit peu compliqué, là. Hot Swings, merci à toi. Est-ce que tu fais des vidéos avec tes abonnés? Ça m'arrive de faire certains concepts, ouais. Ça arrive. J'essaie de trouver des trucs intéressants. Alors, ce sorcier était pas ouf. Ce sorcier était pas dingue. Et en plus, il ignore le mineur. D'accord, mais pourquoi pas. Mais merci à toi aussi, Morvan. Morvan, je sais pas comment on dit ça. Désolé. Il te manque ta bouteille d'eau pour pas dérush. Elle est là pourtant. Elle est là, mais... non, non, mais j'ai pas d'excuses là. J'ai pas d'excuses du tout. Il faut s'y mettre là. Alors, attendez, concentrons-nous, parce que si je commence à lire le chat en même temps, ça va pas le faire. Il faut... Non mais là, 6-6. Non mais là, on remonte. Non mais je vais pas lâcher, les gars. Si vous croyez un seul instant que je vais lâcher, vous rêvez. Vous rêvez. Est-ce qu'il vient de me bait? Oui. On fera aucun commentaire là-dessus. Aucun. Zéro. Nada. Que dalle.
Et on contre-attaque. Alors je rappelle qu'on a vraiment un deck... En vrai, il faut que je me concentre sur la défense. On a un deck pourri et on va avoir du mal à passer en attaque. Donc si je gère pas parfaitement la défense, c'est foutu. C'est pas compliqué. On va mettre ça comme ça, déjà, pour commencer. Non mais il faut focus. Pourquoi il part à droite? Pourquoi le... Mais d'où le sorcier? Quoi? Mais d'où la Tesla est tape? Non mais c'est pas possible. Non mais... Il y a un problème. Je joue pas au bon Clash Royale. C'est un faux jeu. C'est pas possible. Je vous jure, c'est une honte. C'est ce qu'on... Oh, il repart en plus à droite. Oh ok. Non, la T5 a pas retapé. Je prends deux coups à cause de ça. Ok. Je sais pas pourquoi il veut absolument prendre ma tour de droite. Il a une tour de gauche qui est à 500 points de vie. Il veut absolument ma tour de droite. Je sais pas pourquoi. Mais je vais pas me plaindre parce qu'en vrai moi ça m'arrange. Là en l'occurrence, étant donné qu'on prend tarif depuis tout à l'heure, on arrive à mettre des dommages sur la tour. Attendez, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. On prend la tour. On prend la tour. L'armée qui va partir juste ici. Là maintenant il va commencer à se dire ah, faut peut-être que je parte à droite, à gauche. Enfin pour lui à droite, vous avez compris. Ah non mais vraiment, il veut vraiment ma tour de gauche. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que cette tour lui a fait. Ma tour de droite, mais sa tour de gauche, t'as compris. Et du coup, ça, je n'ai pas compris cette battle. Alors, cette battle, c'est une victoire. C'est tout ce que je vais retenir, d'accord. C'est du 4-6. C'est du 4-6, y a pas de problème. Non mais je prends. Non mais y'a pas de problème. C'est... On remonte. Y'a pas... Alors attends, parce que du coup j'ai pas... Il joue quoi? Non mais... C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut en parler de... C'est quoi ça? C'est... Et c'est pas un deck, tu peux pas le qualifier de deck, c'est pas possible, y a pas de... Non, tu ne joues pas, c'est interdit de jouer barbare d'élitrage. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, au bout d'un moment, juste non. Merci à toi Psykong pour ton nom, rage pas gros, tu vas y arriver. Oui, oui j'espère, mais c'est mal parti pour l'instant, mais j'essaye, je te jure, je lâche pas. Isaya, merci à toi, t'es le meilleur, merci à toi frérot. Et Christopher qui refait un don moral, je me casse, je suis pas fait pour ça. Courage, hashtag, tu aurais du gel. Et si jamais tu descends en Alsace, n'hésite pas, je te ferai visiter. Alors c'est pas prévu là, notamment avec le contexte actuel frérot. mais pourquoi pas. Allez, c'est parti. On remonte les gars, là au bout d'un moment, je vous l'ai dit, hein, 6-6, je vais pas lâcher, je lâche pas. Let's go. Petit mineur. Petit mineur pour commencer, pour engager la discussion tranquillement avec notre ami ukrainien. Je pense que même délire que tout à l'heure, on va devoir ultra tempo et profiter de l'avantage en élixir dès qu'on peut. Avec les barbares d'élite, rage, on va punir. Ouais, ok, voleuse. On met la pression tant qu'on peut à gauche. Ah, ok. On sépare les barbares d'élite. Et je pense qu'on peut partir en vrai avec un petit mineur chauve-souris à gauche. Et là c'est pas mal. Là il y a petit push là. Petit truc sympa là. Non mais regardez, non mais attendez. Oh mais le chevalier qui dégage. Oh mais regardez ça. Il m'a cassé mon délire. Oh c'était violent. Oh c'était violent. Sorcier qui va partir ici. Normalement ça défend tout. Non. Voleuse. Pour l'instant, on est devant. Tout va bien. Tout se passe bien. Le compteur s'est réveillé. Ouais, il est bon. Pour une fois,
On a un compteur viable. Est-ce que ça peut le faire si je fais ça? Oh oui, ça passe. Parfait. Parfait, parfait. Vous avez compris ce qu'on veut faire. On va partir comme ça. Merci à toi, Psy Kong, pour ton sponsor. Pour l'instant, on gère. Vous savez, là, on est plus dans le même mood que tout à l'heure. Là, on est vraiment en mode tryhard. Je vais éviter le coup. Je vais éviter le coup. Non ! Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu. Vas-y, le mineur qui part. Il a une tornade ! C'est pas grave, c'est maîtrisé. J'ai pas envie de rage tout de suite. Je veux vraiment profiter du rage. Je pense que j'ai pas encore l'avantage dans la game. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je suis obligé, je suis obligé, je suis obligé. Je suis obligé, je suis obligé. Si je le fais pas... Ah ! Il met la pression. Hein. En vrai, il joue bien. Il met la pression à chaque fois. Il me lâche pas. Je sais pas, je vous le dis là actuellement, je sais pas comment passer. Non, non, non. Ah, il touche la tour encore une fois. Il va re-avoir le... Oh, attendez. Ouh, attendez. Oui, le pré-shot. Oh, le pré-shot. Oh, il arrive encore à défendre. C'est pas possible. Je fais tout ce que je peux, mais vous êtes témoin quand même. Passe. Non, oui. Ah, dommage. Oh les gars, j'ai tout donné. Non mais vous êtes témoins quand même. Je donne tout sur les games, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire les gars. Je vous jure, j'essaye. Ah, c'est dur. Ah là, c'est dur. On a vraiment, vraiment des decks pas évidents. Si on regarde, en vrai, si on regarde les match-ups, sans vouloir chercher l'excuse, si on regarde les match-ups que je me prends, là, en l'occurrence, c'était ultra dur parce qu'il avait, il avait plein de choses pour gérer mes bats et mes gargouilles. Et il avait énormément de dommages de zone. Il avait le bébé dragon, la tornade, l'électro un peu, la valkyrie, le sorcier pour aller gérer mes barbares, barbares d'élite, gargouilles, etc. C'était hyper dur. C'est dur. En vrai, les gars, je donne tout ce que j'ai, mais là, c'est dur. Avec ce deck, par contre, peut-être qu'on va pouvoir faire un truc. Peut-être. 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 Oh, c'est dur. Là, c'est dur. Mais je veux remonter. Hein. Il faut au moins qu'on remonte égalité. Il faut au moins qu'on remonte en égalité. C'est parti, bonne chance. Là, c'est un vrai challenge. Hein. Les decks sont vraiment pas évidents. Oh, il est niveau 11. Oh, non, mais ça doit être une victoire. En vrai, ça doit être une victoire. Merci à toi Azerty. Ah ouais non mais là on la gagne. Là en vrai avec le niveau de carte.
Mais j'aime pas, on gagne des battles qu'on est obligé de gagner avec le niveau de carte. J'aime pas ça, c'est pas... Oh, j'ai peut-être parlé trop vite. Attendez deux secondes. C'est... Attendez. En vrai, ce qui me rend un peu triste, je vous le dis, hein. Ce qui me rend un peu triste, c'est que toutes les games qui ont été serrées, on les a perdues. Toutes les games où on faisait un beau truc et tout, on se donnait et c'était serré, on les a toutes perdues. Alors que statistiquement, tu dois en gagner une ou deux, par-ci par-là. Et jusqu'à maintenant, on les a toutes perdues. Alors par contre, si tu peux éviter de bien jouer, parce que... Ça va commencer à devenir difficile là, si tu joues bien, frérot. Oh la vache, on a pris tard. Oh non, ça va, on a mis un peu de dommage à droite aussi. Ok. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que je défends ça? Je suis obligé, non? Ça me plaît pas. Ça me plaît pas de défendre ça, mais j'ai pas le choix. Une tour à 1400 points de vie. Tenter un petit mineur ici. En vrai, le golem, il fait vraiment... Là, le golem avec double dragon derrière, il va vraiment pas être évident. Hein. On rigole, mais il va vraiment pas être évident à gérer. Je sais pas comment je peux le gérer, vraiment. Ah si, je sais, attendez. Petit sorcier into... Ah ouais, sorcier tornade. Sorcier tornade, en vrai. Ouais, on va faire ça. Ok, ok. On va bourrer la défense. On va bourrer la défense, on n'a pas le choix. Ok, on a chopé un sorcier. Enfin un, oui, bon, vous avez compris. Non, 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 non. Ok, ça va. Ça passe, ça passe. Ok, on est pas trop mal, on est, ça va. Remets un golem. Parfait. Parfait, on agresse à droite. Il y a le chevalier qui va tanker pour le mineur. Non, il a pré-shot. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Attention, ça retape hein. Il va remettre un golem, je pense. Cette fois-ci on met ça derrière. On l'agresse un petit peu là, il faut lui montrer qui c'est le patron. J'avais oublié qu'il avait le... Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On est toujours ok, en mode pas trop mal. Oh ça va. Là c'est go, là c'est go, là c'est le feu vert. Là c'est go. On place ça quand même pour le début de la défense. On place ça ici. Est-ce qu'il a le... Je tente quand même. Au cas où il est l'armée. Il a pas l'armée. Ça passe peut-être le mineur. Le bébé dragon. Ça passe mesdames et messieurs. Victoire. Et en vrai le golem il était pas si évident que ça. J'ai un petit peu sous-estimé le truc au début. Mais ça passe. On est en 5-7. On remonte. On remonte. Sikong, merci à toi. Tu t'es battu comme un enragé. Ah non mais les gars, je vrille, je me bats là. Je me bats, je fais pas semblant. Tu vas finir par aller rusher un brawler si ça continue. Non, non, attends, on va rester quand même sur... Hey, je vais pas abandonner comme ça frérot, faut pas, me sous-estime pas. On va relever les manches et on remonte ce score. Évidemment. Jonathan, merci à toi. Comment ça se passe dans le clan Nova et Carlin? Ils sont chouettes. Ils recrutent comment? Je sais pas frérot, ça, je gère absolument pas ça. Tu peux aller checker le Discord si tu veux. Et c'est calme. Calme dans le clan, voilà, tu peux regarder. C'est tranquille, ça demande des cartes. Ça bouge parfois pour des... ça, c'est pour les guerres de clan. Enfin, les trucs organisés par la team. C'est tranquille. C'est détente. Merci à toi, Martin, pour ton don. Martin qui est toujours présent et qui fait toujours un petit coucou sur les lives. Attendez, bah du coup, il faut prendre le deck de Don Satan... Ok. Le deck Golem. Le deck Golem... Un peu particulier, mais qui peut fonctionner en vrai. Il n'y a pas de gros sort. Mais il y a une tornade. On va voir. Mesdames et messieurs, allons-y. On est contre Popomot. Très bien.
C'est parti, bonne chance. Ok, les cochons, très bien. En vrai, les cochons, on a grave de la défense. Regardez ça. On va avoir la Valkyrie, on va avoir le chasseur qui va taper. Et rien que là, il a dépensé combien? 5, 6, 9? Et finalement, regardez la contre-attaque que j'ai. Ah, il a un colis. Oh, il n'y a plus de colis. Il n'y a plus de colis. Oh, on vient de l'éclater. On met tellement de dommages sur la tour. Regardez ça. Du coup, on prend l'avantage en termes de points de vie. Et en plus, on a un golem sur le terrain. Les gars, j'avais dit ou pas que j'allais remonter? Je vous l'avais dit ou pas que j'allais remonter? Là, maintenant, il s'agit de bien faire... Ah, d'accord. Il s'agit de bien faire passer le... Le golem. Oh là là, cette maîtrise. Cette maîtrise du jeu. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Il va bien réagir quand même avec, avec le séisme. C'est trop tard, il a plus de tour en fait. C'est trop tard. Beaucoup trop tard. Est-ce que... Partir à gauche quand même. On va se calmer. Valkyrie chasseur pour aller défendre ça comme d'habitude, sans aucune pression. Ça défend très très bien, on gère tout ça, on a toujours la petite contre-attaque qui se met bien. On va pas forcer, ça sert à rien de forcer. Il peut défendre avec un colis à droite, on a vu ce que ça faisait tout à l'heure. Ok. Et là en vrai on peut partir dans le fond du terrain. Petit électro. Petit électro. Ah, s'il met le séisme, c'est bien joué de sa part. Petite Valkyrie. Là, principalement, il faut juste qu'on défende. En vrai, on n'est même pas obligé d'aller chercher la tour de droite. On a juste à défendre tranquillement. Et ça devrait le faire. Je vais quand même tenter un golem à droite. Au cas où, s'il me prend la tour de gauche, j'ai déjà un push en marche à droite. Mais ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Flèche pour aller gérer l'esprit derrière. Oups. Bonsoir monsieur. Il gratte un peu à droite. Il reste 20 secondes. En vrai on est très très bien. En vrai on est très très bien. On a la petite tornade qui va se mettre très bien normalement. Juste là. Hop. On dégage tout le monde. Là il est obligé de défendre parce que sinon il est dans le mal. Et du coup sur le côté gauche, on a de quoi faire. Good game. Well played. Et là tout de suite ça va mieux. Là tout de suite on se sent mieux. Ça nous fait une sixième victoire. Et on a une game du 50-50. On est à une seule game du 50-50, plus 30 trophées, mesdames et messieurs. C'est plutôt des super défis à ce niveau trophée, le ladder n'est pas intéressant. Mais justement, moi je trouve ça intéressant de voir un petit peu ce qui est joué à ce niveau de trophée-là. Parce que comme tu vois, il y a souvent des decks qui sont très très bizarres. Et c'est un bon entraînement de jouer des decks bizarres. Contre des decks en plus bizarres en face, c'est vachement intéressant. On n'est pas là pour du tryhard non plus. Enfin, pas là pour du tryhard. On est là pour s'amuser et pas vraiment pour s'entraîner. Mais tu vois ce que je veux dire, on est là pour jouer autre chose que d'habitude. Du coup, moi, au contraire, je trouve ça intéressant de le faire à ce niveau-là de trophée et en début de saison, parce que souvent, c'est le bordel, tout simplement. Alors, on va copier ce deck. En vrai, ce deck-là, si vous cherchez un deck, ce deck, il est très très bon. Là, je pense que c'est le premier deck vraiment bon qu'on a ce soir. Donc, on n'a pas le droit de perdre avec. Je vous le dis, si on perd avec ça, quoi qu'il y ait en face, il n'y a pas d'excuse. Si on perd avec ça, je me barre. Je m'en vais. C'est la fin du live. Je m'en vais. Vraiment, je vous le dis, je m'en vais. Voilà, c'est terminé. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Allez, on tente. Ton niveau de trophée est proche du mien, j'espère te rencontrer. En vrai, vous pouvez essayer de me snipe hein, si vous voulez. Vous pouvez essayer de lancer en même temps que moi. Même si, bon, il y a quand même beaucoup de monde à ce niveau de trophée. Donc je pense que c'est pas évident de me choper, mais vous pouvez essayer. On va partir en cochon royal à gauche, c'est parti. Petit archer magique qui va pas toucher la tour. Séisme trop tard. Et je suis rouillé là les gars, ça va pas du tout. J'aurais peut-être dû mettre le chasseur plutôt que le golem de glace.
Alors, même si ça passe en vrai. Et regardez, on a tellement gratté à gauche. Ok. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que... Ouais, on va mettre l'archer magique à gauche. En mode tranquille. Pas de pression. Ok, PK, 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 PK. Attention, tu vas te barrer. Mais vous me faites pas confiance, les gars. C'est terrible, hein. Quoique, bon, je sais pas comment je vais défendre un PK actuellement. Il est vrai que j'ai cette problématique en ce moment même. Du fait que je ne sais absolument pas comment défendre ce PK. Et ben voilà. Non mais voilà, mais c'est... Vous me faites pas confiance. Vous ne me faites pas confiance. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Vous ne me faites pas confiance. Bon, on va avoir un petit coup de bombeur à droite. Mais c'est pas très grave. Le mini PK qui va défendre à... Qui a inversé les côtés. Vous avez l'habitude. Vous le savez. Là, petit... Oh, le pré-shot. Le pré-shot qui a failli passer. Il a mis l'armée un poil loin. Le pré-shot qui a failli passer. Je l'ai senti. Ça part en cochon royaux du côté gauche parce que je pense qu'il a pas la défense. Il part en PK. Très très bien. Là c'est maintenant ou jamais en vrai. Parce que si on n'arrive pas à défendre ce qui arrive à droite, on est foutu en fait. Non, le PK, pourquoi? Non, quoi? Je rappelle qu'il y a un live en jeu actuellement, mesdames et messieurs. Je suis en train d'un peu flipper. Je rappelle que j'ai mis ce live en jeu. C'est le seul truc qu'il puisse faire. Il a pas fait. Pourquoi est-ce que j'ai mis le live en jeu? Ça n'a aucun putain de sens. Séisme peut-être pour pré-shot une armée de squelettes. Peut-être le séisme pour pré-shot l'armée de squelettes. Attention, ça gratte. Archer magique agressif. Non, 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 non. On a eu chaud. Le live a failli s'arrêter. Je vais pas vous mentir. Là, on a eu très très chaud. Tout va bien. Tout va bien. Plus 29. On est en 7-7 et on est en train de remonter. On est en train de remonter. Oh la vache, la pression. Pourquoi je me fais ça aussi? Il y a zéro obligation, je tremble. Pourquoi je me mets la pression comme ça? C'est quand même terrible. Ouais, c'est l'archer magique, hein. L'archer magique, les gars, il a mis tellement de dommages. Wouah, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. L'archer magique qui a vraiment, vraiment carré. Oh là là. Fouh. On va bientôt passer les 4000 pouces bleus, d'ailleurs. Merci à vous, les gars, ça fait plaisir. Si vous kiffez le live, n'hésitez pas. D'ailleurs, ça fait plaisir parce qu'en ce moment, il y a vachement de pouces bleus. Sur toutes les vidéos et tout, alors je fais pas trop gaffe aux pouces bleus en général,
Mais là, dernièrement, il y en a vraiment eu masse sur les vidéos, donc ça fait grave plaisir. J'en demande pas en plus, donc le fait d'en voir... je sais plus combien il y en a eu, mais honnêtement, attendez, je vais vous dire. Mais vraiment, il y a eu des scores. Je sais pas si c'est habituel. Je me dis, mais c'est pas normal, il y a un truc. Attendez, je vais vous dire. Vidéo... Sur la vidéo, du coup, la dernière vidéo que j'ai faite sur le coffre, il y a eu quasiment 10 000 pouces bleus. On est à 9 500 pouces bleus. Ça n'a aucun sens. J'en ai pas demandé. Quand j'en demande, à la limite, ok. Mais là, 10 000 pouces bleus sur la dernière vidéo. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, donc je tenais à vous le dire. Merci à vous. Merci à toi, du coup, Ferti aussi qui vient de te sponsor. Merci à toi, frérot. Merci, You Master Kill. Salut, je te regarde. La Turquie, t'es cool. Merci à toi, frérot. Il y a des gens de partout. Il y avait Québec tout à l'heure, Turquie maintenant. Et merci à toi, Johan, pour ton sponsor également. Bienvenue parmi les sponsors. N'hésite pas d'ailleurs à rejoindre le Discord pour avoir tous tes avantages. Comme Ferti, d'ailleurs. Alors, mesdames et messieurs, non, du coup, on doit changer de deck. On doit prendre ce deck-là, qui est pas trop mal, en vrai. Enfin, ça se défend. Il y a un petit bomber, j'aime bien ça. Il y a moyen. Il y a moyen. Prochaine vidéo, faire un deck full dragon. Il n'y a pas encore suffisamment de dragons. Hein. Maintenant, il y en a 4, je crois. Quand il y en aura 8, en vrai, évidemment, vous le voyez venir. Quand il y aura 8 dragons dans le jeu, évidemment qu'il y aura du full dragon. Bien sûr. Après... Oh, attendez. Oh, attendez. Oh, je viens d'avoir un... Oh, attendez. Je note tout de suite. Je note instant. Oh là là, mais je note... Mais c'est une très bonne idée, ça. C'est une très bonne idée, ça. Hop, c'est noté. Oh, c'est noté. C'est noté. Ah, c'est une très bonne idée. Ah non, mais j'approuve. Peut-être la semaine prochaine. Ah non, mais vraiment. Très bonne idée. Non, mais voilà. Je vous dis pas, vous avez envie de savoir, hein. Je sais, je suis terrible. Ah non, mais je sais. C'est parti. Ah, mais je me suis fait griller dans le chat. Merde. Je suis prévisible aussi, c'est terrible. C'est parti. Bonne chance. Merci à toi, Eyi. Heyi, je sais pas comment on dit, désolé. Merci pour ton sponsor, bienvenue parmi les sponsors. Merci de ton soutien. Pendant que ça part directement en cochon du côté gauche contre Burrito. Oh, ça me donne faim. On a mis 12 milliards de coups de cochon, hein. Vraiment, c'est phénoménal. Je pense PK là pour défendre en vrai, parce que l'armée de squelettes, je pense qu'elle va se faire éclater par le bomber. Oula. 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 Ok, flèche, flèche, flèche. Non mais je... J'assure, 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 on prend pas de coups, on est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le French loser. Non, ça va, on est en 7-7. Oh, les gars, on est en train de remonter. Respectez-moi un petit peu. On a eu des difficultés, il est vrai, au début de ce live, avec des decks qui étaient... à chier. Bon, voilà. Non, mais il faut dire les mots comme ils sont. Voilà, il faut l'admettre. Mais sinon, ça va, regardez. La maîtrise parfaite du joueur français actuellement face à un deck de 2v2, mais en 1v1. Tout va bien. Ah, oh, et Fanfan qui est sponsor depuis un an. GG, ah putain, ta couronne elle est jolie. La couronne elle est belle. Merci Fanfan pour ton soutien. Ok, on a un bourreau. Je pense que je vais faire la même. Quitte, tant pis, je perds un peu d'élixir, mais là le PK il est trop intéressant pour pas que je le fasse. Ouais, il remet le clone, on peut remettre des flèches, c'était pas une bonne idée parce que du coup... Oui, bon, je sais, c'était pas la meilleure des idées. Electro pour aller défendre ça. On va tenter un cochon quand même. Petit cochon. Ah, oula. Ouais. Oh. Ok. Attends. Oh oui, bah parfait. Regardez le PK qui est tellement bien placé. Ça, c'est de la maîtrise. Ça, c'est de la maîtrise. Oh là, mais cette défense. Cette défense de la part du joueur français. Incroyable. Incroyable. Foudre. Mais foudre. Si gentiment offert. Foudre, bien sûr. Je pense que je suis obligé de faire ça. Oula, 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 oula. Oula, la, 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 la,
Ouais, PK qui est... ouais, le PK était en trop. J'ai flippé, je vous avoue, j'ai flippé. Heureusement, il a mis JR, du coup, ça, fait de la... ça me fait de la value. Et je pense qu'on va partir en chevaucheur de cochon. Avec la foudre. Oh, le petit coup qui est parti. Oh, le petit coup qui est parti. Les flèches, good game. Mesdames et messieurs, pour la première fois depuis le début du live, il nous aura fallu exactement 1h27. Nous sommes en positif. Nous sommes en positif, ça y est, c'est fait. Je vous le promets, depuis une heure, nous sommes en positif. Comment je fais pour ajouter hashtag ton avis? Johan, t'as toutes les infos qui sont dans le Discord. Va voir dans le Discord. Tout se passe là-bas. Hop. Ah putain. Ah non mais j'oublie, je vous jure, quand je joue les games, j'oublie le concept de ce live. On doit jouer du GR, pompe, géant de squelette, clonage. On va pas rester en positif très longtemps. C'est la seule remarque que je suis en train de me faire. Vraiment, c'est absolument terrible. Clash Royale QC, merci à toi pour ton don. You Master Kill qui a refait un don, merci à toi. Jonathan, on est combien de sponsors? J'en sais rien du tout. Pas, ça fait très longtemps que j'ai pas checké. Mais je pense, en général, c'est autour de 50. Ouais, dans ces eaux-là, un truc comme ça. Et Kev, merci à toi Kev. Salut, comment ça va? By the way, trop bien, les casts avec Lemon malgré les petits soucis techniques. Ouais, effectivement, les casts de la CRL le week-end à 19h, je le rappelle. C'est très sympa. C'est très sympa les casts de la CRL. Mais c'est vrai qu'il y a eu des problèmes techniques qui ne viennent pas de nous pour le coup. Mais après, je pense que... enfin, honnêtement, la prod, ils sont vraiment présents. Ils nous tiennent vraiment au courant de ce qui se passe. Contrairement aux autres années, pour être très honnête avec vous. Donc j'ai vraiment confiance en ces CRL de cette année, en cette production. Et en vrai, je pense que d'ici la semaine prochaine, ça sera réglé. Et en vrai, quand tous les problèmes techniques vont être réglés, à mon avis, la CRL, ça va vraiment être le feu. Donc j'ai hâte de voir ce week-end. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce week-end. Alors, nous sommes contre Frodo. On va tenter de passer des pompes. Ah! Alors, il joue en PK. Très bien. Ok. Non, 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 non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi le PK n'est pas allé? On se prend le coup là, non? On rage pas. On ne rage pas. Qui rage? Personne ne rage. Personne. Non, personne. Extracteur. On va faire ça comme ça. Petit bourreau. Into esprit de feu. Oh, le bourreau qui tape tout droit. C'est de toute beauté. Ah, non, non. Est-ce que je repars en GR? Ou est-ce que je tente un push? Enfin non, 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 oui, non. Je dis n'importe quoi. Non, ok. Je repars en... ok. Non mais oui. D'accord, on fait... c'est ça. Exactement. C'est parfait. Oui. Non mais oui. Regardez. Ça, voilà. Et donc oui. Parce que ça... c'est pour ça, en fait. En plus, il a du double PK. Oh, ça fait pas du bien, ça. Ça fait pas du bien du tout. Peut-être du bomber. Peut-être du bourreau. Oh, la double bombe. Oh, la double bombe. Oh, la double bombe. Oh, le double bourreau derrière. Le double bourreau toujours présent. Le double bourreau peut-être. Peut-être pour la victoire, regardez-moi ça, mesdames et messieurs, il y a tellement de troupes qui sont derrière, il y a toujours le GR qui tape sur la tour, un dernier coup, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal.
On n'a pas eu le dernier coup du bourreau, c'est malheureux. Attention, attention. Non, 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 non. Il va y avoir un PK. On connaît. Le clone, le clone, le clone. Le clone qui tombe, mesdames et messieurs, incroyable. On va avoir un coup de JR sur la tour. Oui, monsieur, un coup de JR. Oui, monsieur, deux coups de JR. Oui, monsieur, trois coups de JR. Oui, monsieur, quatre coups de JR. Oui, monsieur, cinq coups de JR. Et oui, monsieur, six coups de JR. Good game. Well played. Ça y est, on est chaud. Ça y est. Ça y est. Ah, elle était belle cette partie, les gars. Vous avez vu le deck avec lequel on a gagné? Vous avez vu le deck avec lequel on a gagné? Incroyable. 9-7. Ah, ça y est, là, on est chaud. Là, ça y est, on arrive à faire des trucs. Ça fait plaisir. Pas évidente, celle-là. Pas évidente. On se prend quoi maintenant? On est en train de rusher en plus, ça y est. On est en train de gagner des trophées, on passe les 5100 trophées. Ça y est, là on est... il nous aura fallu une heure et demie pour chauffer. Mais là, ça y est, on est chaud. En vrai, ce deck-là en plus, il est pas mal. Il ressemble un petit peu au PK classique qu'on connaît. Donc en vrai, il y a moyen qu'on gagne là. Il y aura une rediff d'ailleurs les gars, je vous le précise, je sais qu'il y a souvent des gens qui se posent la question. Il y aura bien évidemment la rediffusion qui sera disponible. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez loupé le début, si vous devez partir, il n'y a pas de souci. D'ailleurs il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout regardé ce live en live et qui regardent la rediff. Bonjour à vous d'ailleurs sur la rediff. Il y a souvent beaucoup de monde qui regarde la rediff hein, d'ailleurs. Donc voilà, merci à vous. On a Adrien qui a refait un petit don d'ailleurs. Bien joué hashtag, bon courage, bientôt 10 victoires. On y va là les 10 victoires, on y va direct. C'est parti, let's go. On est contre Jaka, Gaka, je ne sais pas. Allons-y. Petite Valkyrie. Petite... ouais. Oh là, d'accord. Alors, ouais. Ouais. Mais non, en fait. Enfin, genre, juste... Calme-toi, hein. Enfin... On va essayer de passer de... Voilà. On va essayer de faire passer la Valkyrie à droite quand même pour avoir quelques dommages. Il a ultra forcé à gauche. Il continue de forcer. On a la Valkyrie qui met pas mal de dommages. On prendra pas la tour bien sûr, mais au moins, on l'a mis à moitié de points de vie. Alors notre ami est un petit peu agressif. Alors notre ami, il a passé une mauvaise journée. Il est un petit peu vénère. Il est un petit peu à cran comme ça, tu vois. Il joue à Clash Royale, il est comme ça un petit peu, tu vois. Il sent le besoin d'envoyer du jeu en ballon rage d'entrée de jeu. Avant de dire bonjour. La boule d'œuf qui va se mettre super bien. Oh là là, cette défense. Mais oui. Et là, on a évidemment le zap qui va se poser sur la squelette, exactement. Et on prend la tour. Ah non, mais ça marche parfois de partir comme ça, un petit peu agressivement dans la game, mais ça marche pas toujours. Quand même pas se faire avoir par ça. Bon, même si j'avoue que s'il y a un ballon qui part, je suis pas confiant hein, parce que j'ai pas grand chose pour le ballon. Du coup, je vais essayer de mettre la pression à gauche avec un bélier. Ça va le forcer un petit peu à défendre. Là, j'ai peur qu'il y ait un géant qui parte au milieu. Ok, pas de géant. Pas de géant. On va tempo. Petite Valkyrie à droite. On l'empêche en fait de push. Je l'empêche totalement de faire quoi que ce soit à droite. Et il part à gauche. Très bien. Si le sorcier pouvait... C'est pas sa guerre. Non, c'est pas sa guerre. Non mais vraiment, faut pas l'embêter avec ça. Ok. Là, il va défendre à droite. Forcément. Il peut pas... Voilà, il défend à droite. Et du coup, là, ça veut dire qu'il a plus d'élixir. Donc on part directement sur le côté gauche. Il va forcément mettre une armée. Bien sûr, un gang. Donc le bébé dragon derrière, c'est pas trop mal. Sur la droite, on peut laisser. On va prendre la tour normalement. Et là, maintenant, il va être obligé de foncer. On prend pas la tour. Si, on prend la tour. On prend la tour. Il va être obligé de foncer à gauche. Il va essayer de prendre la tour du roi. C'est le seul truc qu'il puisse faire. Exactement. Ça, je peux mettre un zap. Je peux mettre un zap. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. On s'est chauffé. On s'est chauffé. On est en 17. On est en 17, mesdames et messieurs. Ça, c'est fait. Et belle maîtrise en vrai, parce qu'il nous a bien agressé dès le début. Hein. Franchement, il m'a fait flipper au début. Et j'avais vraiment peur du ballon que je pouvais pas vraiment... Oh, il avait des barbares d'élite derrière. J'avais vraiment peur du ballon que je pouvais pas vraiment défendre. Mais maintenant, on va devoir jouer ce deck. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Quelle bonne idée, ce live. Quelle bonne idée. Yoachak, c'est quoi le meilleur deck de la saison pour toi? On peut pas dire, en fait. Il faut, en général, il faut une semaine et demie, deux semaines avant de vraiment savoir quels sont les meilleurs decks de la saison. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce live un petit peu au début de saison. C'est pour qu'on voit un petit peu ce qui est joué à droite à gauche. En plus, je suis bas en trophée, donc ça permet de voir un petit peu des decks exotiques. Là où sur le reste de la saison, vous savez qu'en général, je joue des decks un petit peu plus solides, un petit peu qui font leurs preuves en CRL, dans les tournois mondiaux, etc. Donc voilà, là c'est le début de la saison, on s'amuse, on joue des decks un petit peu chelous. Mais je trouve que, je le disais tout à l'heure, mais je trouve que c'est vraiment bien de jouer des decks comme ça de temps en temps. Enfin, de jouer des decks bizarres face à des decks bizarres, ça t'entraîne. Ça te force à être polyvalent, ça te force à trouver des nouveaux trucs. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. J'aime beaucoup ça. Du coup, je pense que les prochains lives, même comme ça, là, quand on refera un live ou deux de je copie les decks de mes adversaires, je pense qu'on essaiera de les faire en début de saison parce que je trouve ça vraiment drôle. Plutôt que de les faire à haut trophée en fin de saison où là, tu galères. En plus, contre des decks méta. Je trouve ça plus sympa de le faire en début de saison. Est-ce qu'on tente ce deck? C'est parti, let's go. On est contre Cole. Collé. Ouais, je suis pas sûr. Ok. Le gang qui est parti. J'ai... Très bien, j'ai perdu. Non, je voulais mettre le ballon. Bon, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu, j'ai juste pris grave cher. Déjà, je pense que j'ai pas perdu la tour. Et ça, c'est important. C'est dommage, j'aurais mis le ballon à droite, il aurait vraiment flippé. Ça vaut pas le coup de défendre. Ça vaut pas le coup de défendre, on va laisser ça comme ça. Il a un bourreau, ça m'arrange pas du tout. J'ai pas grand chose pour aller défendre le bourreau. Cette battle, les gars, elle va être tendue, je vous le dis. Je vais tenter le fameux ballon. Il fait quoi? Il fait quoi? Le talent. Le talent. Bien sûr. Bien sûr. Le talent. Alors. On parlera pas de cette game. Jonathan. Attends, non, attends. Si, oui, je suis perdu. Jonathan, merci à toi. Faut pas lancer un live quand je suis censé faire des trucs. Je n'ai rien fait depuis mon réveil sauf ce live. Au pire, Jonathan, t'inquiète pas, hein, t'auras la rediff encore une fois. Ou alors tu peux rester avec nous. Et ne continuer à rien faire. C'est aussi très bien. Et merci à toi, Matt, pour ton sponsor. Bienvenue à toi. Je suis pas un escroc, il a déconnecté. C'est quand même pas de ma faute, enfin. C'est terrible. Et on est en 11-7, hein. Je veux pas balancer, mais on est vraiment en train de gagner, là. Alors, on a des récompenses qui sont débloquées. Je rappelle, je n'ouvre pas mes récompenses. Je garde pour la nouvelle carte qui arrive bientôt. Et du coup, on va jouer quoi, maintenant? On va jouer en petit golem. Oh, il est bon en plus, ce deck golem. Parfait, petit golem. Petit golem. Tu réponds que au don. Non, c'est pas vrai. En vrai, c'est pas vrai. Je réponds aussi au chat. Mais après, je cite pas toujours les mecs à qui je réponds au chat. Je prends des commentaires et j'y réponds.
Mais non, non, je lis le chat. Après, notamment au début de live, il y a eu beaucoup de dons. Merci de votre soutien. Mais du coup, ouais, du coup, j'ai un peu priorisé les j'ai un peu mis en priorité les dons. Mais vous inquiétez pas, je vous lis, hein, je vous vois. Alors, on a quoi en face? J'ai l'impression qu'on a un cimetière, non? Ça sent le... Ah ouais, non mais alors, par contre le cimetière, il va pas être évident à défendre. C'était pas du tout un cimetière. C'était peut-être un peu un cimetière. Alors, non, 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 non! Non, mais non, mais non, mais non! Il y avait une cache gobeline, t'abuses frérot, d'où tu sautes sur la tour? Tout va bien. Hashtag ton compteur de live marche, c'est un exploit. Oui, effectivement, ça arrive pas tous les jours, donc on en profite. Ah, je pense qu'on perd la tour ou pas loin. Je pourrais tornade. Ouais, j'aurais du tornade. Non, my bad. Pas terminé, mais j'aurais du tornade. Là les gars, c'est le moment de s'y remettre. Il faut pas qu'on lose, faut pas qu'on arrête ce win streak. Il faut qu'on en profite. Je tente un truc dans le fond du terrain. Ouais, c'est risqué, mais je veux essayer de m'imposer un peu sur la game. Montrer un petit peu qui c'est le patron. Encore une fois, faut pas paniquer. On va simplement faire ça comme ça. Là on est pas mal. On a une bonne petite tornade qui peut partir juste ici. Il va y avoir un méga chevalier qui va tomber. Ok. Faut la foudre. Il a un bâtiment ou pas? Je sais plus. Pierre foudre du monde. Pierre foudre du monde, on peut le dire, c'est officiel. Il va forcément tenter un truc au milieu. C'est sûr. C'était sûr. Ça, je pense que je peux le laisser connecter. Non. Voilà. Dommage. GG. Ah, je me suis bien battu. Je me suis franchement très bien battu. On aurait presque fini la tour après. Je sais plus quel coup j'ai pris là à droite. Mais on s'est bien battu sur celle-là. On s'est très bien battu. GG. Ça aurait été évitable en vrai. On a dû faire une erreur. Je crois que c'est au début.
Bah oui, sur le méga chevalier qui a sauté, ouais, on aurait largement gagné si on s'était pas pris le méga chevalier. Dommage, dommage. Belle game. Et il fallait qu'on se calme un petit peu là. On était trop bien parti. Ça pouvait pas se passer comme ça. Il fallait qu'on se prenne une petite défaite. Et maintenant, on va devoir jouer ce deck. C'est dommage. Oh, non, en vrai c'est bête parce que ce deck golem qu'on avait, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. On aurait dû gagner. En vrai, là, il y avait... Ça s'est joué à rien. Il a fini au zap. Donc, en vrai, ça s'est joué à 50 points de vie. Franchement, ça s'est joué à 50 points de vie. C'est vraiment dommage. Parce qu'on avait vraiment un golem sur tour qui allait exploser. Laisse tomber. On avait fini la tour avec la foudre. Merci à toi, Rocketman. T'en penses quoi des dragons squelettes? Ah, il y a Suzy aussi qui a fait un don. Merci à toi, Suzy. Salut à toi, j'espère que... Oula. Salut à toi, j'espère que ça va pour toi. Écoute, ça va. Enfin, on vient de se prendre une défaite, mais c'est dommage, mais ça va, merci. Et Rocketman, du coup, t'en penses quoi des dragons squelettes? Je trouve ça pas mal. Je trouve, en fait, le concept est bien. Le problème, c'est qu'ils ressemblent trop aux bébés dragons, en fait. Ils ont voulu partir sur une sorte de mix un peu bizarre, et ça ressemble trop aux bébés dragons, là où on attendait pour des squelettes un truc un peu plus original. Il y avait un concept à faire derrière, et je trouve qu'ils ont un peu manqué l'opportunité. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu dans les commentaires. Bon, il y a eu quand même, sur la vidéo des dragons que j'ai fait, il y a eu plus de 2000 commentaires. Donc vous avez été plutôt présents. Et globalement, enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais globalement, c'était ça. Hein, c'était vraiment les retours. C'était vraiment qu'il manquait une petite particularité, un truc sympathique sur ces dragons squelettes. Après, c'est une commune. Alors après, je suis d'accord, il y a de la logique dans ce qu'ils ont dit. Dans la carte, il y a de la logique. Mais c'est juste dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc plus cool. Je pense que je vais partir à gauche. Un petit push à gauche là. Alors, en plus il a plus l'électro. On va attendre que l'électro se barre à droite. Et on va go directement. Petite artificière quand même pour aller gérer le sorcier. Et on est bien. On est très très bien. Oh, la tornade ratée en plus. Il fallait une petite défaite pour nous remettre en jambes. Et là tout va bien. Là on est très bien. Je vous jure. J'allais changer le score maintenant là. On va peut-être se calmer quand même. On est un petit peu optimiste. On va mettre une mousquetaire dans le fond du terrain. Petit méga chevalier là. Petit zap ici. On est très bien dans la game. C'est une maîtrise parfaite, mesdames et messieurs, de cette game. On peut presque partir 3 couronnes. Hein. Allons-y. Hein. On va pas hésiter. Il a plus l'armée de squelettes. Il a plus rien. Ah, mais il a quand même... d'accord. Ouais, il avait quand même 2-3 trucs encore. Mais je pense pas qu'il puisse passer. Il reste 40 secondes. On va partir dans le fond du terrain, il remet un zappi très très bien. Mousquetaire à gauche. On attend de cycler sur le... Il y a du monde là quand même, non? Il y a un peu du monde là quand même, non? Voilà, oh frérot, calme-toi là. Je sais qu'on est potes, mais quand même. Bon, c'était bien joué de sa part. Il a eu une bonne tentative, good game, well played. Mais on était full sur la tour. La petite victoire, mesdames et messieurs, on est en 12-8. Et ça commence à être pas mal là. On est en 12-8. On a combien de trophées là d'ailleurs? On est pas mal, on arrive près des 5200. Ça serait bien qu'on fasse les 5300 avant la fin du live. Je pense que ça serait cool. Et on a... Ah, mais attendez, mais ce deck, il est pas mal du tout, en fait. Le petit deck clonage avec tout ça, plus le zappi derrière qui peut faire mal. On peut s'amuser avec ce deck. On peut clairement s'amuser.
En vrai, à quand un dragon de glace? Mais je pense que ça va arriver en vrai. Il y a forcément un concept de dragon de glace qui traîne quelque part chez Supercell. Faut savoir qu'ils ont énormément de concepts. Hein. Ils ont énormément d'idées. Il y a tout un truc. Il doit y avoir tout un bloc-notes avec plein d'idées différentes. J'espère qu'il y a un dragon de glace. Ça serait quand même très sympa. On va repartir avec ce deck, mesdames et messieurs, pour aller chercher les 5200 trophées. On est contre Johnny. Ok. On va commencer par mettre squelette. Pas grand chose là dans la main de départ. On va partir en électro. En vrai, c'est pas mal parce qu'on lui a forcé une sorcière de la nuit. On va tempo comme ça. Ça me paraît pas trop mal. On a un prince qui arrive qui va se faire. Oh! Alors. Alors. Non, parce que. Attendez. Parce que. On prend la tour de gauche. Flèche, 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 flèche. Flèche! Flèche. Ok. On est en avance. On est en avance. On a 800 points de vie sur le côté droit. C'est un peu hasardeux cette défense, mais tout va bien. J'aurais peut-être pu mieux placer. Ouais. Bon, on n'est pas à ça près. Tout va bien. Nous ne sommes pas à ça près. Ça c'est relou. Ça c'est relou. Pourquoi j'ai mis le zappy? C'est pas du tout le zappy que je voulais mettre. C'est pas du tout le zappy que je voulais mettre. Ok. On va partir à droite. On va partir à droite. Et là du coup on est en... Ok. Attends, ça c'est le moment où je me remets droit. On prend la battle au sérieux. Bon, ça déjà, on va le gérer tranquillement avec l'armée. Quoi qu'on en dise. Oh la bombe! Oh la bombe! Je pensais pas que le prince ferait autant de dommages. Là, j'avoue. On n'aura pas le temps. On prenait la tour là-dessus. Aïe, 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 aïe. Ça s'est joué au prince à gauche. Je pensais pas qu'il ferait autant de dommages. Il y avait la bombe du géant squelette. Je me suis dit, c'est bon, ça gère tranquille. Ah, c'est dommage. Là, pour le coup, c'est pas une défaite méritée. On l'a éclaté. Malheureusement, on a fait quelques fautes. Ah, c'est dommage. Hein. Ah, c'est le... en vrai, ce qui me peine le plus là, c'est qu'on a perdu avec deux decks qui sont pourtant vraiment sympas. Ce deck, enfin le deck golem et le deck géant squelette. Celui-là, il est un peu chelou de deck, mais il est sympa. J'avais présenté ça une fois sur ma chaîne. En vrai, c'est vraiment dommage. C'est vraiment deux decks avec lesquels on aurait dû gagner. Qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, on a son deck chelou là, Johnny, qui n'a aucun sens. Oh, si on perd avec ça, je vais avoir le seum. T'as perdu avec un deck nul. Non, en vrai, je pense que vraiment le géant squelette, il était pas si mal. C'est pour ça qu'en fait, quand je perds avec un deck nul, bon, à la limite, j'ai essayé, tu vois. Mais quand je perds avec un bon deck, et là, en plus, on a fait des erreurs nulles, c'est dommage. C'est dommage. Tu repasses bientôt en négatif, énerve-toi. Mais non, on va pas s'énerver pour ça, Pierrick. Enfin, en plus, on a 3 battles de marge. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va tenter avec ce deck. On n'a pas fait deux défaites, non, quasiment d'affilée, mais ça va pas du tout là.
Faut qu'on se reprenne là. On va envoyer un bélier de combat juste là. Ok, il joue prince. Il joue PK. On va défendre. Ouais. Je le tente parce que je me dis, il a peut-être mis un peu beaucoup d'élixir, il va pas pouvoir tout défendre et peut-être que ça va être pas mal pour nous. Effectivement, maintenant faut défendre. On va lui prendre sa tour. Il va prendre la nôtre. On va pas lui prendre sa tour et il prend la nôtre. Est-ce que c'est pas un début de dérush là? Est-ce que vous sentez le dérush là? Ou s'il a un deck de merde, c'est quoi ça Johnny? Enfin, c'est quoi ce deck? Y'a rien dans ce deck. Restons calmes. Restons calmes. On peut mettre une petite pression à gauche. Petit prince? Petit prince. Valkyrie en plus. On sait qu'il a les gargouilles. Il va forcément les mettre. Ah il a le prince. Ah non, j'avais oublié. J'avais oublié ce détail. Un truc là en mettant ça devant un petit rage. Ok, ça met un coup, ça met deux coups. Ok, on va pas l'avoir quoi qu'il arrive, on va jamais l'avoir au... On va jamais l'avoir au bélier. Quoi qu'il arrive, on va jamais l'avoir au bélier. Donc autant jouer comme ça. Merde, 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 merde. J'ai pas pensé, j'ai pas de ballon. J'ai compris trop tard comment gagner la game. Ah, c'est dommage. Parce que là, on l'avait. On n'aurait pas joué le bélier. On aurait vraiment juste joué les ballons. Ah, c'est dommage. Alors là... Il faut rester calme. Faut pas s'énerver. Bien sûr que non, faut pas s'énerver. Ça ne vaut pas le coup. Pourquoi s'énerver? Pour un jeu, enfin, ça vaut pas le coup. Serpent, merci à toi. Hashtag c'était le best, continue. Merci frérot. Non, on va pas s'énerver. On va bien sûr pas s'énerver. On a un bon deck. On doit gagner avec ce deck. Ça, c'est un deck méta qui existe depuis je sais pas combien de temps, qui marche depuis je sais pas combien de temps. On ne peut pas perdre avec ce deck. C'était pas possible. C'est pas possible. On est contre Renault. On va partir en gargouille. J'arrive plus à parler. En gargouille. Partons en gargouille, mesdames et messieurs. Avec un zap. J'aurais dû gérer ça. Ok, voleuse. On reste calme. Personne s'énerve. Personne ne rage, personne n'a le seum. C'est encore un PK. Petit PK ici. C'est tranquille. La mousquetaire qui met deux coups sur la tour. Petit PK. Petite contre-attaque. Le PK qui va pas faire grand-chose. C'est bien défendu de sa part. Non, mais on peut le dire, c'est bien défendu de sa part.
Ok, il va nous agresser un petit peu. Normalement, on devrait avoir de quoi défendre à peu près. On se prend deux coups de cochon là-dessus. C'est pas grave, on arrive à défendre. On peut éventuellement contre-attaquer. Et là, normalement, il doit avoir un gang, mais il peut pas vraiment le mettre. Ok, ça va passer, ça passe, ça passe, ça passe. On va mettre quelques coups de barbare sur la tour, donc ça c'est cool. Maintenant il faut gérer la défense du PK. Avec notre PK. Et s'il te plaît, mets une mousquetaire derrière, ça nous arrange. On prend la value. Parfait! Cette fois-ci on met le PK. Attends. Parfaitement géré de la part du joueur français qui maîtrise ses nerfs. Tout va bien. Merci à vous d'ailleurs pour les 5000 pouces bleus, ça fait grave plaisir. On part en... Un poil tôt. Tout va bien. J'ai pas mis le machin parce que je savais qu'il allait mettre le PK. On va se contenter de défendre pour l'instant. PK ici. Cochon qui va arriver d'une minute à l'autre là dès qu'il a l'élixir. Je vais essayer de... Ouais. Je suis pas fan de son move là. Parce que là, les gars, j'ai une dose à mettre en attaque. Avec en plus un petit poison qui va partir juste ici. Oh, les deux barbares, le petit coup. Pas de petit coup. Là c'est le moment les gars où faut vraiment pas paniquer et faut juste jouer sa game. Juste tranquille. Petit bélier. Petite gargouille. Petit poison. Et petit zap. Dès qu'on peut l'avoir, tranquillement, ça devrait le faire. Il galère et le pauvre c'est déjà terminé puisque 91 points de vie, 52 points de vie, 13 points de vie, tout le monde le sait mesdames et messieurs. Le zap qui est bien fini. C'était une mauvaise passe, tout va bien. On est sur du 13 victoires et 10 défaites. Tout va bien, mesdames et messieurs. Je pense, les gars... Oh, et on a eu... Oh là 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 là, attendez. Je mets sur pause ce que j'étais en train de dire. On a eu un don de Gangsta. Merci à toi, #JS et HS pour le cast CRL avec toi. JS n'est pas au cast de la CRL avec moi. Tu peux regarder d'ailleurs les deux premières journées qu'on a fait. De CRL, c'est disponible évidemment en rediff sur ma chaîne. Et les prochaines, enfin, prochaine date de CRL, c'est du coup samedi dimanche à 19h. Donc je t'invite à regarder ça. Et ouais, c'est Lemon qui a remplacé JS au cast. Et on a surtout Jonathan, mesdames et messieurs, DGG dans le chat, s'il vous plaît, pour Jonathan, qui fait un gros don. Merci à toi, Jonathan. Ma pizza de la non-productivité est délicieuse. Je vais me commander une pizza après le live. Je me commande, ça y est, tu m'as donné envie. J'ai une question. Comment fonctionne le match-up? J'ai jamais compris, sauf que j'ai l'impression que qui veut toujours ma peau, on dirait que le deck en face a toujours les counters parfaits. Alors, les matchmaking, tu veux dire. Le matchmaking, d'après ce que Supercell nous dit, c'est aléatoire. Donc matchmaking, en gros, c'est contre qui on tombe en ladder. Et apparemment, d'après ce que Supercell nous dit, c'est aléatoire. Plus ou moins, parce que j'ai entendu parler d'un truc qui fait que si tu commences à beaucoup perdre, il y a un système qui essaye de te faire gagner, de te mettre contre des adversaires qui sont un peu plus... qui sont en galère aussi, en fait. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais globalement, ils disent que c'est du hasard, même si c'est vrai que parfois, tu te dis, bon... quand tu prends ton counter à chaque fois, tu te dis, c'est pas possible. Il y a quand même 12 milliards de mecs qui sont en train de chercher des battles actuellement. Me dis pas que le seul type que tu me mets en face, c'est un type qui a mon counter. Surtout quand c'est 10 fois d'affilée. Bon, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, j'ai pas les infos précises, mais tout ce que je peux te dire, c'est que Supercell dit que c'est aléatoire. Voilà, si ça peut répondre à ta question. Et bonne pizza en tout cas, kiffe bien ta pizza, Jonathan. Merci, merci de ton soutien, ça fait grave plaisir. Bon, mesdames et messieurs, est-ce que j'ai le bon deck? Est-ce que j'ai le bon deck? Et merci à toi encore, je l'ai dit 12 fois, mais vraiment merci Jonathan, parce que c'est pas un petit don que tu viens de faire et c'est un gros soutien. Merci frérot. On a un deck similaire là, petit cochon. Petit PK cochon, je pense qu'il y a moyen. Ah quoi la pizza? Ah j'avoue Roman qui pose des bonnes questions. Là, Jonathan, on veut tout savoir. Pizza à quoi? Tu sais que si tu dis hawaïenne, tu sais que tu vas te faire lyncher. Sois honnête, mais on le sait. On le sait. Je guette ta réponse, Jonathan. On veut savoir la vérité.
On est contre messieurs... Décidément, les PK, là, c'est le... Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Allons-y. Attends. Pepperoni. Oh, ça me donne faim, ce truc. Pepperoni, fromage, un peu de sauce, croûte mince, une tonne de fromage. Ok, t'as pris une fromage, quoi, vraiment. Bah, écoute, bon app, frérot. Alors, concentrons-nous, s'il vous plaît, sur la game, parce qu'on peut perdre à tout moment. Et d'ailleurs, en parlant de défaite... Ouais. Non. Alors, deux secondes, je me concentre. Parce que là, on est là, on n'est pas bien. Là, cinq fois... Ouais. On a pris tarif. On est sur un golem élixir en face qui m'a pas laissé le temps de respirer. Très bien. C'est remontable, c'est totalement remontable. Cochon qui va taper une fois, deux fois, trois fois. Trois fois. Petite mousquetaire. L'artificiaire, c'est vraiment une carte qui est terrible. Elle fait vraiment très mal. C'est toujours une méga galère à aller chercher. PK. PK qui est pas mal. Hein. PK qui était pas mal. Il a rien. Oh, il a rien. Oh, oh là, c'est la remontada, les gars. Là, c'est l'occasion ou jamais. Allons-y. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a trop dépensé. Je sais pas ce qu'il... Je sais pas. Mais du coup, on en profite sur le côté gauche. Ça va mettre énormément de dommages. Regardez ça. Le cochon qui tape. Le PK sur la tour. On prend... Oh non, mais la remontada. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mousquetaire ici. Mousquetaire juste là. Ouais. Attends, calme-toi. Bon, tiens. On est en train de tenir, là. Petit zap. Attends d'aller virer ça. D'avoir un cochon qui puisse se faire plaisir sur la tour du roi. De manière allègre. On prépare la défense, évidemment, parce qu'il est obligé de tenter un truc maintenant. Il reste 13 secondes, donc le PK qui va partir au milieu. Et évidemment, vu qu'il est dans le mal... Oh, il va partir tour du roi. Vu qu'il est dans le mal, à mon avis, on peut déjà partir sur la tour du roi. Mais je pense, mesdames et messieurs, que c'est une battle qui est gagnée. Good game, well played. On a eu un petit peu chaud au début de la battle, mais finalement tout va bien. Et on est, mesdames et messieurs, en 14-10. Alors attendez, parce que je me pose une question. Petit défi là pour la fin du live. Ah merde, j'ai lancé un débat. Alors frérot, par contre, ton pseudo il est sportif, mais respectez les pizzas hawaïennes s'il vous plaît, c'est trop bon. Je viens de lancer un débat, je suis désolé, je voulais pas lancer une guerre civile. Mais bon, écoutez. Chacun ses goûts, voilà, on dira juste ça. Merci à toi, Dr Baboon, pour ton 1€, merci frérot. Et Pierrick, qui a fait également un don. Le matchmaking est foireux avec moi, On est en fin de live, hein, ça se sent. Le matchmaking est foireux avec moi, j'ai plus de victoires 3 couronnes que de victoires. Ça peut être ça qui gêne. En vrai, non, je pense pas, Pierrick, c'est juste que je pense que tu joues un deck très lourd. Donc je pense que tu joues genre un énorme deck, genre golem ou quoi, et que tu fais très souvent des 3 couronnes. Et je sais pas pourquoi il y a un problème de comptabilisation qui fait que... Dans certains modes, tes victoires 3 couronnes sont comptées, mais pas dans tes victoires tout court. Tu vois, je crois qu'il y a un truc bizarre comme ça. Merci à toi encore une fois, Jonathan. Mais Jonathan, non, surdon pour contrer les pizzas hawaïennes, c'est la pire. Je ne suis pas responsable de cette guerre, d'accord? Vous frittez-vous dans les commentaires si vous voulez, mais je ne suis pas responsable de cette guerre, d'accord? Je vous le dis. En attendant, les gars, moi j'ai une question. Je me pose une question. Hop, je mets ça ici. Parce que vous savez, en général, sur ce genre de live, je fais une trentaine de games. Là, on est à 24. Et du coup, ça veut dire que... Merci à toi, Dr Baboon. Du coup, je me dis... Du coup, je me dis... Parce que oui, je suis en train de dire un truc. On fait d'habitude une trentaine de games. Je veux voir où est-ce que j'avais fini la dernière fois. La dernière fois que j'ai fait ce concept.
Parce que du coup, j'aimerais bien battre le score qu'on avait fait la dernière fois. C'était mal parti aujourd'hui. Mais là, on est en 14-10. Je veux voir, il y a... Attendez, je reprends le live de qu'on avait fait en novembre, si je dis pas de bêtises. Et je veux voir où est-ce qu'on en était, parce que je voudrais qu'on batte le truc. Ah, il est là. Il est là. Hop. Je veux voir où est-ce qu'on avait fini. Ah, je me tape une pub. Bon, ça me fait de la thune. N'est-ce pas? J'arrive, j'arrive. Je veux voir... Attends, alors, je prends la fin du live. On était en... On était en 18-12. Ah ouais, quand même. Ah ouais, on avait fini en 18-12. On avait terminé en 18-12. Mesdames et messieurs, on va tenter de faire mieux que 18-12. Alors, ça va être tendu. L'objectif, du coup, c'est de faire encore 4 victoires, 5 victoires, idéalement, et une seule défaite. C'est chaud. C'est très chaud, mais on va le tenter. On va prendre, du coup, le deck Golem Elixir juste là. En vrai, il y a moyen qu'on gagne avec ce deck. Est-ce que vous pensez que je peux le faire? Est-ce que vous pensez que je peux faire 5 victoires actuellement et une seule défaite maximum? Ou pas? Ça va être tendu. Hein. Et au passage, j'ai vu, il y a 19 000 pouces bleus sur le live sur le live qu'on avait fait la dernière fois en novembre. Je crois que vous aimez bien le concept, hein, si je ne m'abuse. Eh, vous avez à peu près confiance en moi, les gars? Eh, ah non, il y a beaucoup... D'accord, les noms arrêtent. Non, pardon, pardon, excusez-moi. Je me disais aussi, il y avait un truc bizarre. Et on va directement agresser à droite, non? Ouais, vas-y. Ouais. Ah, oh non, Bomber. Bomber, c'est vraiment le pire truc. Vraiment, c'est le truc qui nous déchire notre push. Bon, même si on va passer devant en termes de dommages. Ça, c'est cool. Petite Valkyrie. Ah ouais, non, par contre, ok. Attendez, du coup le prince il va être relou à gérer, il va falloir que j'ai la sorcière à chaque fois et que je la mette bien avant le temps que les squelettes spawn. Faites-moi confiance les gars, faites-moi confiance, ça va passer. J'y crois. Juste un petit mini PK ici. Je tempo pour l'instant. Ah oh là, ok. Est-ce que j'ai fait un bon choix là? Les squelettes ça tape, hein. Les squelettes ça tape. Les squelettes ça tape. Les squelettes ça tape. J'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Ça va, ça va, ça va, ça va. Elle est pas évidente pour l'instant cette battle, mais je pense qu'en double élixir on va pouvoir faire un truc. Tu peux le faire, je peux le faire. Je peux le faire. Artificiaire direct là-dessus. Est-ce qu'on peut choper un petit coup? Ah non, l'artificiaire qui est trop lente. Sorcier qui est ambitieux, mais tant pis. On va faire comme ça. On va faire comme ça, je vais garder le... Le sorcier qui est important. On va partir à gauche avec la sorcière. On va prendre la tour, on prend la tour, on prend la tour, on prend la tour. Attention! Non, 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 non! Ok, on perd la tour. On est à peu près sur une égalité. Ah là, c'est chaud. Cette battle est vraiment tendue. Non, 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 genre ça, mais un coup, il y avait 12 milliards de troupes sur le terrain. Non, 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 non. Oh, je peux pas perdre comme ça. Tourne, 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 tourne. Je peux pas perdre comme ça.
on va la perdre. On va la perdre. On va la perdre. Il avait le poison en carte juste après. Goodiem. Aïe aïe aïe, dommage. Voilà, voilà. Alors là, ça nous met dans une position, les gars, on n'a plus droit à l'erreur. Là, les gars, ça nous met dans une position. Si on perd. Si on perd une battle, on peut pas faire mieux que la dernière fois. Si on perd une seule battle, c'est foutu. Et si on en perd deux, on fait moins bien. Ok, là j'ai la pression. Là j'ai la pression. Là les gars, c'est le moment où il faut se dépasser. Là les gars, c'est le moment où il faut être vaillant. C'est le moment où il faut tenir. Et c'est le moment où il faut... ne pas céder. Ne pas céder au moral. Merci à toi Baboud encore une fois. Good luck, have fun. Tu me fais bien kiffer quand même en stream. T'as un certain swag. Je sais que j'ai un swag. Je sais que j'ai un swag incommensurable, évidemment. Mais surtout quand je gagne. Parce que quand je perds... bon, le swag, ça va bien deux secondes, mais enfin bon. Voilà. Pierrick, merci à toi encore une fois. Géant squelette, witch, lumber, bat... Oula, c'est quoi ça? En vrai... je pense qu'il te manque un petit fût à squelette, Pierrick. Petit fût à squelette là-dedans, ça peut être pas mal. Mais il faut un truc avec le clone. Et merci à toi encore une fois, Jonathan. Désolé, j'ai déchaîné le chat avec ma, avec ma pizza. Ouais, écoute, t'inquiète pas. Hein, un petit fight de temps en temps, ça remet en forme. Bon. Mesdames et messieurs. Il est temps de faire du full win. Parce que là, on est à 25 games au total. On en fait 30. Il reste 5 games. Et si on veut faire mieux que la dernière fois, il faut gagner les 5. On a eu 2h17 de chauffe. 2h17 pour se chauffer. 2h17 pour être en forme. Et à partir de maintenant, on perd plus une game. On est contre Amir, mesdames et messieurs. Amir qui sera notre première victoire, bien sûr. Tranquillement géré. La part du joueur français, tout va bien. On a pris quelques dommages sur la tour, mais tout est bon. Je m'installe un petit peu dans ma chaise tranquillement. On se recule, on n'a pas de pression. Petite pression à droite. Je pense pas qu'il ait encore les barbares. Il a un électro, ok. Là, faut faire attention. J'ai peut-être misplay en mettant le prince parce que du coup, j'ai rien pour son GR. Vu qu'il va forcément mettre la bûche en pré-shot, on est mal. Il va peut-être pas y penser. Ce qui m'arrangerait. Il y a pensé. Qui ne m'arrange pas. Du coup, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais essayer de profiter de mes troupes pour contre-attaquer derrière. Là, évidemment, on sait qu'il a des barbares, mais ils vont se faire éclater ces barbares parce que du coup, la bûche ne finit pas le bombeur. Et du coup, c'est pas mal pour nous. Ça nous fait une petite contre-attaque sympa. En plus, il tente un zap derrière, il va se prendre non seulement un coup d'électro, mais en plus un coup de bombeur. Et ça nous met devant en termes de dommages. Et je vous ai dit que je tryhardais, les gars. Là, on est plus. Là, on est plus sur la déconne. Là, on est plus sur du live bisounours. On est sur du tryhard. On va pas refaire la même avec le prince. C'est tentant de le mettre. Mais il faut temporiser. Petit électro à gauche. Bombeur à droite. La bûche qui est partie de son côté. Petite erreur, monsieur. Petite erreur. Quoique. Parce que là, j'ai pas. Allez, vas-y, ça part en cochon. Le poison qui va partir sur les barbares qui vont être posés dès qu'il a l'élixir, mais il a pas suffisamment. Et du coup, il y a la Valkyrie. Mais ça va pas être suffisant parce que le cochon est en train de taper sur la tour. Non! Je hais ce jeu. Quel jeu de merde. Regarde, on reste concentré. On reste concentré. Vous avez vu ce qui s'est passé. On commentera pas plus dessus.
Non, non. Non! Je hais ce jeu, je hais ce jeu! Ça s'est joué sur la putain de princesse. C'est pas drôle là dans le chat, je vous vois à chaque fois. C'est une honte. Je l'avais gagné la game 10 000 fois. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Bah vas-y, je laisse ça, j'en ai rien à foutre. J'ai mis ce clic, j'en ai rien à foutre. J'avais fait un bon move et tout. C'était incroyable ce que j'avais fait. Superbe game, je l'ai éclaté le type. Je vois une défaite à tribord. Non, mais non, mais... J'ai chaud en plus. J'ai envie d'une pizza là maintenant à cause de Jonathan. Ouais, parce qu'on peut encore faire une égalité avec la dernière fois. C'est pas totalement foutu. Tu déconnes, j'ai pas ragé, j'allais crier, j'ai pas crié. Si en 40 secondes j'arrive à la remonter, mec. Si en 40 secondes j'arrive à la remonter. Mets un PK. Mets un PK à droite. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Il reste 3 games. Il reste 3 games. Il reste 3 games.
Faut pas rager. Faut pas rager, faut se reprendre. Donc, mesdames et messieurs, on va sortir des grands moyens. J'ai loupé un don de Carmi d'ailleurs, merci à toi Carmi. J'aime pas la pizza, c'est grave docteur. Sinon go faire mieux que la dernière fois. J'aurais pas dû lire ton don. Merci à toi Carmi. Et Scarface qui vient de ce sponsor, merci à toi. Mesdames et messieurs, on va pas se laisser faire comme ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Ok. On va pas se laisser faire comme ça. Non mais je dis non. Je dis non. Là, au bout d'un moment, mesdames et messieurs... On y va. Ça va pas du tout là. On est debout, on est en forme, on peut bouger. Ça nous plaît. On va monter ça un petit peu, hop. Incroyable. Bon. Ouais, j'ai les mousses qui se décollent, on s'en fout. ça m'énerve. Alors. Il nous reste 3 games. On peut pas faire mieux que la... C'est foutu. D'accord? C'est foutu. On peut pas faire mieux que la dernière fois. Mais on peut faire quand même une performance correcte. On peut terminer, si on veut, en 17-13. Ce qui est plutôt honorable. On a fait beaucoup de battles serrés. C'est... Ça va. Il faut qu'on prenne du coup ce deck-là. Ah oui, d'accord. On a quand même un deck qui n'a aucun sens à jouer. C'est pas grave. Il reste 3 games, mesdames et messieurs. Mets-toi, Torselu. Toujours plus, les gars. Hein. Toujours plus avec vous. Allons-y. Let's go. Si on fait 3 victoires, les gars, je veux qu'on pète les 6000 pouces bleus. C'est le deal. C'est le deal. C'est parti. Prince qui est juste là. On va tempo pour l'instant. Est-ce qu'il y aura une rediff? Si on fait 3 victoires, oui. Mec, je mets toute ma vie sur ces 3 victoires. Vraiment, je joue ma life. Ok. Pas forcément dingue là son move avec... Ah! Nous ne rageons pas, la rage n'est pas en nous. Nous sommes parfaitement concentrés dans la game. Il n'y a aucun problème. Le joueur français à présent qui va... pas du tout français d'ailleurs, qui va mettre une... Tour de l'enfer. Sans aucun problème, bien sûr. Pendant que le joueur français se dirige avec un PK dans le fond du terrain. Le PK est dans le fond du terrain. Et il s'avance vers la tour de droite. Je suis obligé de déconnecter mon cerveau là parce que sinon je rage. Faut que j'arrête de penser. Faut que j'arrête de réfléchir. Je ne craquerai pas. Prince. Le joueur français en difficulté actuellement. Il est vrai que cette battle est compliquée. Je pars à gauche ou à droite? Ouais, vas-y, va à gauche. De toute façon, c'est à peu près la même. On sait qu'il a une armée squelette. On sait qu'il a de la défense, ok? T2, on a un zap. On va mettre la dose, mon gars. La dose sur le côté gauche. C'est la déchance. Non mais là c'est une catastrophe cette fin de live. C'est une catastrophe. 14-14, on peut pas finir en négatif. On peut pas finir en négatif. Je suis désolé H, mais ça me fait trop rire. Mais vous êtes méchant avec moi, vous êtes terrible. Mais c'est quoi ce truc? Mais regardez ça! On a 4 défaites d'affilée. Non, je refuse.
Je peux pas finir en négatif. Ça, c'est mort. C'est entièrement mort. Je peux pas finir en négatif. Donc, il faut qu'on gagne. On n'a pas le choix. Il faut qu'on gagne. Oh non, je serais tellement dégoûté. Je serais tellement dégoûté. Ah, là, en vrai, faut que je me concentre. Faut que je me concentre. Là, je suis déconcentré. Ça va pas du tout. Là, j'ai décroché, là. Je sais pas ce qui est arrivé, là, tout à l'heure. J'ai décroché. Y a pas de sort dans ce deck, là. J'ai pas de sort pour aller gérer les mousquetaires. C'est le pire truc. C'est le pire truc. L'armée de squelettes. Ah si, j'ai une boule de feu. Pardon. J'étais de mauvaise langue. Pardon. Ça va. On peut la gagner. On peut la gagner. Partir avec un cimetière comme ça parce que j'ai vraiment rien à faire. Si je peux choper un truc avec la boule de feu, ça serait pas mal. Il fait rien. D'accord, ok, il y a un gang. Ça me va. Ça me va. Petite boule de feu ici. Ça prendra rien d'autre. Mais ok. On gratte un petit peu sur la tour pour l'instant. C'est pas trop mal. En plus, ce mini P.K. qui va se faire complètement brain par les squelettes. Pour l'instant, ça va. Le truc, c'est que si on perd cette battle, les gars, on peut pas finir en positif. On peut finir en neutre, mais pas en positif. Donc vraiment, là, il y a deux games. On n'a pas le droit de les perdre. Il faut qu'on les gagne si on veut vraiment finir en positif. Donc là, j'ai la pression. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Non, mais torse nu, mais les gars, calmez-vous. Calmez-vous tout de suite. Ok. Valkyrie là. Sorcière ici. Le zap qui va partir. Armée de squelettes, ok. La défense qui est pas trop mal hein, de notre côté. Actuellement, on s'en sort plutôt très bien. On va carrément mettre une boule de feu là-dessus. Ça prend les deux. C'est nickel. Ok. Il nous a mis quand même un petit peu cher sur la fin. Mais là, on a le petit combo avec le cimetière. On a le gel qui peut partir à tout moment. Les mousquetaires. Les mousquetaires qui sont là. Je vais essayer quand même de prendre la tour là-dessus. Oh, je prends pas la tour. Ok. Je peux me permettre de prendre des coups de mousquetaire à gauche. Boule de feu zap, ça fait combien? Parce que là, le problème, si je mets une boule de feu et que ça finit pas, je peux pas le risquer. Parce que sinon, on perd la game. Donc, je vais repartir en cimetière. Et on va vraiment sécuriser le truc avec un petit cimetière. Voilà, ça passe tranquillement. Le gel qui va partir. On a la boule de feu qui va finir cette fois-ci. Good game. On repasse en positif. Mais là, mesdames et messieurs, c'est la dernière game. C'est la dernière game. Et en fait, soit on finit en positif, soit on finit en neutre. Allez, on va le faire. Et du coup, on a un deck en plus qui est un peu chelou, parce qu'on a une sorte de golem. Ah non, on a un golem 3 mousquetaires. Ok. Non, ça va. C'est un deck qui est très très lourd. Ça sera le dernier deck du live, mesdames et messieurs. Le dernier deck du live. Tu vas te faire rect. Non. Vous en pensez quoi, sincèrement? Vous pensez que je gagne ou vous pensez que je perds? Dites-moi ce que vous pensez dans le chat. Est-ce que vous croyez en moi? Est-ce qu'on peut finir en positif au moins? Ça va être chaud. Ça va être chaud, le deck est pas évident. Tu gagnes, tu perds, win, tu gagnes. Oh, ça va, en vrai, vous êtes... Ouais, non, ouais, quoique. Ouais, ouais, ça va, c'est... Vous êtes quand même quelques-uns à vouloir me voir gagner. Non, ça va, vous êtes plus pour la victoire. Écoutez, pour une fois, je me fais soutenir, on va essayer d'en profiter. Et je vais essayer de vous prouver que malgré tout, malgré un début compliqué,
Malgré un début de live qui vraiment a été terriblement compliqué pour moi, j'ai eu du mal à gagner mes premières games. On a eu des match-ups absolument terribles. Malgré cette fin de live qui est aussi difficile, on va terminer en positif. Mesdames et messieurs, on garde toujours le moral, quoi qu'il arrive. On part déjà pour commencer sur un cochon. Potentiellement un cochon PK. Ça y ressemble pour l'instant. De notre côté, nous, on joue un petit deck bien bien lourd, donc il va falloir absolument qu'on... Oh, le coup de mini PK, très bien. Il faut absolument qu'on case des pompes. C'est obligatoire. Extracteur d'élixir juste là. Et pour l'instant, on est pas mal. On a un extracteur qui est sur le terrain. On a tout près de notre côté. Apparemment, il peut rien faire. Il fait quoi? Il fait rien. Bah, j'y vais, hein. J'y vais en golem, hein. Oh non, il a déco. On peut pas finir comme ça. Et là, il a complètement déco. On peut pas finir comme ça, les gars. Oh non, c'est moche. Non, c'est moche. Non, c'est moche. Non, mais c'est moche. C'est moche. C'est moche. Est-ce qu'on en refait une ou pas? Est-ce qu'on remet le titre en jeu ou pas? Ça, je peux pas finir le live là-dessus. Je peux pas finir le live comme ça, c'est pas possible. Annule une nouvelle game. Oui, tu gagnes, c'est moche. Oui, oui, oui. On va remettre le titre en jeu. Hein. On va remettre le titre en jeu. Alors, est-ce que je prends son deck pour continuer le principe, ou est-ce qu'on dit que juste cette game n'a pas existé et je continue avec le golem? Vous dites dans le chat golem ou cochon. C'est à vous de voir. Moi, ça m'est égal. Je suis votre décision. Est-ce que je continue à prendre le deck de mes adversaires, ou est-ce qu'on dit c'est vraiment juste la dernière? On refait cette game comme si elle n'avait pas existé. Golem, golem. Cochon, golem. Oh là, c'est partagé. Il y a pas mal de golems. Bref, ouais, il y a une grande majorité de golems. Ok, ok. Cette game n'a pas existé. Cette game n'a pas eu lieu. Et on repart, mesdames et messieurs, avec du coup le deck golem. Pourquoi vous me faites ça? J'ai la pression maintenant. Ok. On est contre NK Maro. C'est parti. Bonne chance. NK Maro, on va voir ce qu'il nous joue. Ça joue des squelettes déjà pour commencer. Dans le fond du terrain, un deck rapide apparemment. C'est dangereux, mais j'y vais. C'est dangereux, mais j'y vais. Ok, il a un poison. Ok, ça c'est un... 100% c'est un cimetière. 100% c'est un cimetière. Je me gratte le genou, hein, vous inquiétez pas. Ouais, c'est pour ça que je suis debout. Hein. C'est pour pouvoir bouger un petit peu. Pour pouvoir être dans l'action un petit peu. Ok, on va mettre un PK juste là. Un bébé dragon dans le fond du terrain, on va temporiser comme d'habitude. On va pas du tout se presser, et à mon avis là, NK Maro, il a l'air pas mauvais. C'était bien du cimetière, comme prévu. C'est bien défendu de notre part. Il a mis son poison ici, donc on va pouvoir mettre la pompe juste là. Stratégiquement évidemment, quand il y a un cimetière, faut placer toujours la pompe juste devant, comme ça, ça l'embête. Et il est bon en face, hein. Il est bon. Donc il va falloir vraiment se concentrer. Le cimetière, c'est pas évident, on n'a pas forcément les défenses pour. Donc vraiment, on va falloir faire attention. Je pars en 3 mousquetaires. Il a plus le poison, on rappelle. C'est pour ça que j'y vais. Et avec un peu de bol, qui va suffisamment temporiser pour que je puisse mettre devant le golem avant le double élixir. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ah merde, bien joué, bien joué. Ah non, il a bien joué. Il a bien défendu ici avec le poison, ce qui veut dire qu'il va pas l'avoir en attaque, ce qui m'arrange quand même. On a un golem qui est sur tour.
Cet extracteur, mesdames et messieurs, est risqué, surtout quand on voit ce qui arrive en face. Mais c'est ce qui va nous faire gagner. Et là, c'est exactement ça. Il est parti trop tôt. Là, il est en train d'essayer de mettre ce qu'il peut pour supporter son cimetière. Mais regardez, on est déjà présent. On a déjà bien défendu. Tout va bien. Et là, maintenant, on a une pompe qui est là sur le terrain. Il faut juste faire attention parce qu'à tout moment, là, il peut repartir en cimetière pour nous mettre la pression. Donc, on va pas y aller tout de suite. On va pas y aller trop vite. On va mettre... Non, 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 non. Est-ce qu'on en fait une dernière? Là, on est en neutre. Donc là, je mets tout en jeu. Là, je mets tout en jeu parce qu'on est en neutre. Ça veut dire que... Si je perds... C'est pas juste que je suis pas en positif. C'est que je suis en négatif. On remet tout en jeu. Soit on est en positif et bravo. Et c'est génial. Soit on est en négatif, et là c'est une honte. C'est une honte internationale. Vous avez l'air chaud pour une dernière. Oh, là, par contre, j'ai la pression, parce que si je perds la dernière, là, c'est chaud. Hein. Ça sera en deck cimetière, la dernière. La der des der. Mesdames et messieurs, si je la perds, je suis nul. Officiellement, c'est déclaré. Je tweet, je suis nul. C'est officiel, allons-y. Par contre, évidemment, si je gagne, j'attends que vous tweetiez. J'attends que vous tweetiez tous. Hashtag c'est un génie. En contrepartie, la game est lancée, il n'y a pas de retour. Je vous l'impose. C'est le deal. Alors, pour l'instant on temporise. Si je peux faire dasher la voleuse sur les squelettes, ça peut être pas mal. Comme ça on a une petite contre-attaque sympa. J'ai pas envie de forcer non plus avec le... Oh, quoique là il a dépensé beaucoup. Là on a une bonne contre-attaque. Petite tour à bombe. On est en train de gratter tellement fort sur la tour. Regardez ça. On se met très bien d'entrée de jeu. La tour à bombe qui a défendu parfaitement. Et on est trop bien. On va juste mettre un chevalier quand même pour défendre ce chevalier qui arrive. Et on va partir du côté gauche sans activer la tour du roi. Merci pour les 6000 pouces bleus d'ailleurs. Merci à vous les gars, ça fait plaisir. Non, raté. J'ai raté mon coup. C'est pas grave, ça arrive. Ah ouais, non mais par contre du coup il va se laisser prendre la tour, je pense. Ça serait le bon... Là, s'il se laisse prendre la tour, c'est un bon move. Ok. Il va quand même essayer de défendre. Je suis pas fan. Ah! D'accord, mais quoi? Ok. Bon, j'avoue, il m'a surpris. Je m'attendais clairement pas à un fût. Mais tout va bien. Tout va bien. Ok, il nous laisse prendre la tour. Très bien. En fin de compte, je suis pas sûr qu'il ait fait exprès, mais on dira rien. Tout va bien. Hop, hop. Il peut prendre la tour là-dessus en vrai. On a mis un bon fût. On défend bien. Ok. Tour à bombe, juste là. Il va falloir partir à gauche quand même pour essayer de mettre un peu de pression. Vas-y, let's go, on y va. Pression sur le côté gauche.
pour l'empêcher un petit peu d'envoyer des trucs à droite. Il va mettre un PK pour défendre, très bien. On a une mousquetaire qui est en place. Ok. Tour à bombe. Il y a du monde qui arrive là à gauche. Attention au monde qui arrive à gauche. Chevalier. Ah par contre, j'ai rien pour le flux, j'ai rien pour le flux, j'ai rien pour le flux, j'ai rien pour le flux. Non, 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 non. Ouh, c'est passé, mesdames et messieurs. En vrai, j'ai eu très chaud parce que là, on partait en deux tours. Vu que je joue cimetière, ça aurait été très, très tendu. Ça aurait été très, très tendu, mesdames et messieurs. Nous terminons en positif. J'ai un petit peu arraché le truc, on va pas se mentir, mais c'est du positif. C'est du 16 victoires et 15 défaites. On a eu du mal aujourd'hui. Honnêtement, on a eu du mal aujourd'hui sur cet épisode. On a commencé très difficilement. On a eu vraiment pas de bol au début, je trouve. Je sais pas si c'est le temps qu'on se chauffe, mais le début, on a vraiment eu du mal. On a eu beaucoup de decks, on a eu les counters, on a eu des decks vraiment bizarres et des counters en face à chaque fois. Ça a été très compliqué. Et sur la fin, on a tilt. On a tilt, voilà. Sur la fin, ça arrive malheureusement. Mais on termine quand même en positif. 16-15, ça aurait pu être bien, bien pire que ça. J'espère en tout cas que vous kiffez le concept. J'essaye de, vous le savez, hein, j'essaye de pas faire trop souvent les concepts comme ça qui sont cool pour pas qu'on s'en lasse et qu'à chaque fois qu'il y a un concept comme ça, bah, ça soit cool à regarder, même pour ceux qui n'ont pas pu forcément suivre le truc en live, qu'il y ait une rediffusion et qu'ils puissent kiffer ça aussi. Donc je pense que le prochain live de ce type-là aura pas lieu demain. Clairement, je vous le dis, ça sera dans plusieurs mois, mais il y en aura un dans quelques mois avant 2021, je vous le garantis. Mais voilà. Je pense qu'on se refera ça dans quelques temps. Mais en tout cas, c'était super cool. Et ça permet de tester un petit peu des decks qui sont vraiment, vraiment chelous. Parce qu'on a vraiment... On a eu très, très peu de decks normaux, on va dire. Mais c'était marrant. C'était très marrant. J'espère que vous avez kiffé votre soirée, les gars. Pendant qu'on a eu encore des dons, n'est-ce pas? J'en ai loupé pas mal, d'ailleurs. On a Scarface qui a fait un petit don. Yo, tu es le meilleur, continue... pardon. C'est la fin du live. Ça y est, je suis éclaté. Scarface, du coup, yo, continue, t'es le meilleur, go les win. Merci à toi, Scarface. André qui a envoyé un petit pouce bleu également. Pierrick, tu repasses en négatif, énerve-toi. Ça a fonctionné, tout va bien. Alex prend la parole, qui nous dit t'es le meilleur, hashtag, continue comme ça, merci à toi. Et Titoff, Titouf peut-être, qui fait également un petit don pour finir ce live. Merci à vous, les gars, merci à tous ceux qui ont fait des dons, merci à tous ceux qui ont été là ce soir. C'était très sympa, merci également à tous ceux qui ont regardé la rediff. C'était vraiment très cool, c'était vraiment très cool. On a eu. Hashtag pas avant 2020, ça veut dire 2050. Non, 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 ça veut pas dire 2050. Je vous garantis qu'il y aura un live en 2020, un autre live comme ça. Mais je veux, voilà, je veux juste pas trop le faire, pas le faire trop souvent. Histoire qu'on kiffe à chaque fois et que ça soit très sympa à regarder. Mais c'était cool, on a fait quand même des belles games. On a fait des trucs assez tendus aussi. On s'est quand même bien débrouillé, c'était très sympa. Merci à toi Pierrick encore une fois. Je te propose un défi en fin de live. Tu trouvais mon deck lourd. Essaye-le. Je t'avoue, je vais couper le live. En vrai, j'ai la dalle. Là, tout à l'heure, là, Jonathan, il m'a donné la dalle avec sa pizza. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur mon téléphone et de commander une pizza. Donc voilà, on va s'arrêter là, Pierrick. Mais en tout cas, merci à toi. Steven qui fait un don également. Merci à toi, Steven. Merci à chaque super live. 16 victoires, 16 euros. Merci à toi, Steven. Un grand merci pour ton soutien. Ça fait plaisir. Et Jonathan qui est toujours là. Mais les gars, oh, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe avec les dons? Jonathan, remercie à toi. Dernier don, félicitations GG, un tournoi d'abonnés ça serait cool comme vidéo pour déterminer le meilleur abonné. J'ai déjà pensé, ouais Jonathan, après ce genre de truc avec les abonnés, si je fais des concepts avec les abonnés, j'aimerais bien que ça soit des concepts qui soient vraiment, vraiment bien, vraiment intéressant. J'ai pas juste envie de faire un truc avec les abonnés pour dire de... comme par exemple le live que j'avais fait où je prenais vos decks, il y avait eu toute une organisation avec Discord etc. C'est des trucs qu'on avait, qui demandent de l'organisation, qui demandent de la réflexion avant de les faire. Donc voilà, c'est possible qu'il y en ait, mais je prends mon temps pour le faire, pour faire vraiment un truc clean. Et un truc où tout le monde puisse participer aussi, ce qui n'est pas évident. Et remercie à toi Scarface du coup, ouvre ton coffre de foudre en vidéo et fais un deck. Bah je viens de le faire ça Scarface, je l'ai fait, c'est la dernière vidéo. Donc je t'invite à aller la regarder si tu l'as pas déjà regardée. Mais voilà, bref les gars, un grand merci à vous. C'était très sympa comme soirée, moi je n'en peux plus. Donc je vais aller manger, un grand merci à vous. Puis je vous dis à très bientôt, à ce week-end, au grand minimum pour la CRL, ce week-end 19h, samedi, dimanche. On vous retrouve avec Lemonty sur ma chaîne. Et puis, prochain live de moi tout seul, ça sera probablement la semaine prochaine. Normalement, ouais, je pense que la semaine prochaine, j'en ferai un. Et il devrait y avoir une vidéo, je sais pas quoi et je sais pas quand, mais je vais réfléchir à ça. Voilà, merci à vous, encore une fois.
Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez kiffé. On a passé les 350. Non, c'est là. Les 359 000 abonnés. Un grand merci à vous, les gars. Merci à vous. Bonne soirée. Profitez bien. Et à très bientôt. Ciao.